Bien le bonsoir YouTube, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On a déjà Antoine qui est déjà présent. Merci pour une fois que je rate pas le début. Bah écoute, ça fait évidemment très plaisir de te voir débarquer sur ce live. On va attendre qu'un petit peu de monde arrive hein, pour vous annoncer et vous faire découvrir quelque chose de très très sympa. Je garde la hype. Je garde la hype. Et une fois qu'on aura un petit peu plus de monde, en général, ce sont des personnes qui font partie, la plupart du temps, de la communauté. Et vous suivez, évidemment, l'événement annuel qu'est le GameStream Heroes. Vous le savez maintenant, je vous en parle depuis un petit moment à chaque fois, ou très régulièrement, cet événement caritatif hein, dont je suis le fier papa. Eh bien, on a un retour eh bien, sur à quoi ont servi les dons récoltés cette année. Et croyez-moi, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et vous avez été toutes et tous de généreux contributeurs à cette réalisation de rêve de deux enfants qu'on va découvrir eh bien, lors de ce live. Voilà, je vous publierai, je vous montrerai ça en direct tout à l'heure. Et en tout cas, ça me touche énormément. Et je ne peux évidemment que remercier les communautés, les partenaires, les streameuses, les streameurs, le cadre eh bien, qui organise cet événement. Ainsi que l'association Petit Prince également. Mention spéciale pour Raphaël, le Petit Prince qui était venu nous voir sur place en 2023 à Lyon. Qui sera avec nous en 2024 en tant que streamer sur l'événement. Donc on a hâte évidemment de le retrouver, je fais des gros bisous mon Raphaël, et une petite soirée sympathique sur Twitch avec lui, ce profil. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, on va évidemment saluer la rediffusion, soyez les bienvenus sur la continuité de cette aventure Fallout 4 avec nos camarades et nos spécialistes qui sont très régulièrement dans le chat, qui nous prodiguent de bons conseils et des fois des conseils qui nous sauvent littéralement les miches. Voilà, c'est dit. Bon, on va se mettre sur la scène de jeu. Allez, hop, c'est parti. On va pas attendre plus longtemps que ça. Vous vous en doutez bien, hein, je garde le meilleur pour tout à l'heure. Salut Famsmo, comment ça va? Yo la Mika, comment vas-tu? Bah ça va très bien. J'espère que toi de ton côté, ça va. Comme je disais tout à l'heure, il y aura une petite surprise dans ce live puisqu'on va vous faire découvrir eh bien, les deux rêve réalisé avec eh bien, les dons collectés lors du GameStream Heroes. Pour ceux qui ne l'ont pas découvert déjà via les réseaux sociaux, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais fait une petite faute de frappe sur un mot, donc toutes mes confuses, voilà, ça m'emmerderait de supprimer le truc, ce qui compte c'est sur Twitch. Oui, on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier un texte, donc c'est chiant à crever, donc voilà, mea culpa. Mais confuse, évidemment, mais confuse. Donc comme je disais, hein, voilà, on salue la rediffusion. Si vous découvrez cette petite chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On approche de la barre symbolique des 700 abonnés, j'y croyais absolument pas. C'est vrai que je me suis jamais focalisé là-dessus. Mais c'est bien de savoir que petit à petit, on s'approche des 1K gentiment. Ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir, vous vous en doutez bien. Alors que on s'approche eh bien à grands pas eh bien de notre entrée sur la plateforme Twitch, et la chaîne que vous connaissez hein, tout simplement à l'heure actuelle passera en mode VOD, c'est-à-dire que tous les lives et tous les gros projets vidéo, donc que ce soit du montage vidéo parce que j'en referai un petit peu évidemment, mais il y a des projets qui se préparent, notamment un gros projet qui peut potentiellement, bon, on va se remettre comme ça là, sur le chill en attendant. Un gros projet, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai pas donné plus d'explications que ça, pour vous donner quelques petites miettes, quelques petits indices. Je suis un grand fan évidemment de jeux vidéo comme la plupart d'entre vous, notamment de certaines licences très chères à mon cœur, voilà, d'un développeur. Je pense que le live de ce soir vous donnera un indice d'un développeur très connu. Et je suis aussi un très grand consommateur, un très grand fan de cinéma.
Et j'avais envie de faire un petit quelque chose qui me sortirait un peu de ma zone de confort. C'est notamment vous parler de ces deux passions-là, mais sur un thème, forcément, qui se rejoint. Pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse mariner avec ça. Alors attention, c'est un projet qui va me demander énormément de boulot. Je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo, mais je vous le dis tout de suite. Ne vous attendez pas à ce qu'elle sorte la semaine prochaine. C'est mort. Vu le taf qu'il y a à faire dessus, que ce soit au niveau de la recherche, de l'écriture, de la réalisation, de la mise en scène, ça va être très compliqué. Et on accueille évidemment notre petite Nat. Salut Ika, salut Antoine, salut Famsmo, ça va? Oui, ça va, ma petite Nat, la modération est présente en la personne de notre petite Nat. Intéressant, nous dit Antoine. Bah écoute, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé avec Max Blade, mais aussi avec Mysterion, à qui on fait un énorme bisou. Faut vraiment que je lui passe un coup de fil, il va m'en vouloir. Et c'est un format. Alors, il va falloir que j'essaye pas mal de mise en scène, de tests aussi, parce que je voudrais y intégrer du fond vert. Donc voilà pourquoi ça demande beaucoup de boulot. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir faire des tests, il va falloir que je déménage tout ce bordel. Donc, déjà que derrière, là, ça a été. Alors, attendez, hop. Là, voilà, derrière ça, là, ça a été une punition installée. Mazmaz, oh, ça va, Ika, ça fait super longtemps. Mais grave, grave, Mazmaz, j'espère que tu vas bien. Big up à toi, le plaisir de te voir débarquer, évidemment. Donc, comme je vous le disais, ça va être un projet qui peut amener par la suite à une série de vidéos thématiques, mais c'est un travail de titan, et pour avoir parlé avec mes pairs sur ces vidéos-là, sur ce type de vidéos-là, soit on y met énormément de cœur, on prend le temps de le faire, pour être sûr que ça corresponde vraiment à nos attentes et être satisfait du rendu, parce que c'est pas le type de vidéo qu'on peut faire comme ça à l'arrache, sauf quand tu as l'habitude et que ça fait 15-20 ans que tu fais ça. Clairement, voilà. Salut ma belle Akasha qui débarque. Ah coucou! Ah coucou ma petite Akasha, j'espère que tu vas bien. Donc Akasha qui est mon copilote pendant les événements du GameStream Heroes, mais aussi qui est eh bien, la petite maman du GameStream Heroes. Oui, vous le savez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, elle s'occupe d'un petit peu tout le monde, elle vérifie que tout le monde va bien, voilà, elle est toujours aux petits soins avec tout le monde. Même quand Papa Ika, il se vautre la gueule comme une merde et qu'il se fait un claquage, ça a été l'une des premières à venir me voir aussi, à me dire « Ça va, hein, espèce de demeuré, voilà, qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie, hein, à ton âge, courir comme ça dans les couloirs, c'est plus de ton âge, mon petit gars, hein, voilà. » Donc j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir débarquer toutes et tous sur ce live. Et donc j'en profite, voilà, j'en profite, ma petite Akasha, évidemment, est au courant. Hein, puisqu'on a, on a un Discord sur lequel on discute, évidemment, un Discord qui va bientôt ouvrir ses portes, et on va inviter beaucoup, beaucoup de gens à venir rejoindre ce Discord. Ça sera le Discord communautaire du GSH. Vous allez pouvoir venir avec nous, discuter avec nous, passer des soirées avec nous, petites soirées apéritifs, discussions, soirées cinéma, soirées jeux. Tout simplement, mais avec nous. Et nous, on partagera ce moment avec vous sur ce Discord. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais on prend le temps de l'amorcer. Donc voilà, j'en parlerai évidemment au pilier de notre communauté, à savoir s'ils veulent distribuer le lien de ce Discord eh bien, sur le leur, pour pouvoir tous et toutes se rassembler à un seul et même endroit, pour pouvoir de temps en temps faire des grosses soirées ensemble. Ça pourrait être super cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez l'idée, spammez-moi un max de petits cœurs, voilà, dans le chat. Oui, tous ensemble! Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'immense honneur de vous dévoiler, eh bien, les deux rêves réalisés avec les dons récoltés lors du GameStream Heroes de 2023. Allez, hop et hop. Donc voilà, vous pouvez voir ici à l'image, hein, le rêve de Maxime et le rêve de Tej, qui sont eh bien l'ultime récompense pour nous. Parce que vous le savez, le but du GameStream Heroes, c'est tout simplement
Essayer de fédérer les communautés, essayer de sensibiliser les gens à cet événement qui maintenant existe depuis 2020. 2020. On se bat littéralement pour essayer de vous sensibiliser, sensibiliser les gens autour de vous, les communautés que vous pourriez connaître, et bien les fédérer et se rassembler toutes et tous ensemble lors de ces événements annuels que sont le GameStream Heroes. La plupart du temps, ça se fait sur la période du week-end de la Toussaint, et ça dure 73 heures, 73 heures où on se retrouve toutes et tous ensemble, eh bien, pour essayer de lever des fonds pour réaliser les rêves des princes et des princesses. Donc, ce sont des enfants, des jeunes adolescents, malheureusement, eh bien, qui sont eh bien, atteints de cancer, de leucémie, de maladies génétiques graves, avec des fois des pathologies extrêmement lourdes. Et voilà, avec ces dons que vous faites pendant toute la durée de cet événement, eh bien, sachez que les dons ne partent pas aux oubliettes, ils sont directement mis eh bien, à contribution à la réalisation de rêves pour ces petits princes et ces petites princesses de l'association. Eh bien, avec les fonds de cette année, deux rêves ont été réalisés et on en est très, très, très fiers. Pour plus de détails, je vous invite eh bien, à aller voir le post sur le Twitter du GameStream Heroes et on mettra prochainement eh bien, à jour le site internet du GameStream Heroes et vous pourrez aller voir eh bien, ces deux rêves s'ajouter aux quatre premiers rêves réalisés par le GameStream Heroes et l'association Petit Prince grâce à vous toutes et à vous tous. Donc un grand, grand merci pour votre générosité. On pense à tous eh bien, les gens qui ont fait des dons. Aux entreprises aussi qui ont fait des dons, les particuliers, les privés, les associations, les sociétés, voilà, le petit gamer ou la petite gameuse lambda qui a cassé sa tirelire pour faire un don, sans compter la générosité également des streameuses, des streamers et des organisateurs, des partenaires. Vous avez été littéralement au taquet et rien que pour ça, sachant que l'année dernière, on était 20 streamers et streameuses de moins que l'année précédente, eh bien, on a fait tout aussi bien 20 108 euros de récolté. Honnêtement, un chiffre qu'on n'attendait pas de faire, puisque étant 20 streameuses et streamers de moins par rapport à des, malheureusement, à des histoires de budget, eh bien, vous nous avez littéralement régalé. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et Ben qui débarque. Hey! Oh, pardon, je me suis à moitié étouffé. Pardon. Donc voilà, c'était important de vous le montrer, c'était important d'en parler avec vous et de voir sur ces images les sourires de ces adolescents, de ces enfants avec des étoiles dans les yeux parce qu'ils vivent pendant le temps d'un week-end ou d'une journée eh bien, un rêve qui leur est cher, quelque chose qui leur donne eh bien, l'envie de se battre encore plus fort contre la maladie au jour le jour. C'est quelque chose de très important. Donc, merci à vous toutes, merci à vous tous du fond du cœur. Voilà à quoi sert le GameStream Heroes. Voilà à quoi sert les dons que vous donnez pendant cet événement. Et évidemment, vous le savez. Tanguy, oh là là, putain, comment ça fait longtemps. Salut Ika, je passe en vitesse pour le petit coucou, le light. Un bon live à toutes et tous. Et bravo pour ce beau projet. Merci à toi, putain, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Donc, le merci, évidemment, le merci à toi. Je trouve ça incroyable. Continue comme ça. Bah écoute, Antoine, je ne suis que celui qui a amorcé le truc, puisque, hein, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Hop, hein, il est là. C'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis 2018-2019 pour avoir découvert. En 2018, le The Event, oui, je le dis, je n'hésite pas à le dire, puisqu'il faut le savoir, hein, faut pas être con non plus, le GameStream Heroes est, au même titre, un événement, un marathon gaming caritatif. On n'a pas inventé la roue. C'est un concept qui existe depuis très longtemps, de faire des LAN comme ça, pour des événements et pour défendre des associations, pour lever des dons. On n'a pas inventé l'eau chaude. Mais en tout cas,
C'est un événement qui se veut 100% amateur. Et c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas jusqu'à présent, hein, jusqu'à cette édition de 2023 où on a eu l'honneur et la chance de recevoir Romain de la chaîne de la Suite de Trop, à qui je fais un énorme bisou, mon loup, si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou. C'est quelqu'un d'adorable avec un cœur gros comme ça. Et il est exactement pareil dans ses vidéos que dans la vraie vie. Vraiment. Vraiment, il est incroyable. C'est tout un personnage. C'est tout un personnage. Il a été extrêmement gentil avec l'ensemble du staff, avec les streameuses, les streameurs. Voilà, quand on a un guest, on a toujours cette petite appréhension de se dire, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va avoir la grosse tête? Et en fait, quand on a discuté de cet événement, de cette invitation qu'on lui avait proposée, on a discuté avec lui en vocal. Et avec Matt, moi-même et Romain. Et tout de suite, le type a dit votre événement, il est super cool. Je veux en être. Voilà, le mec, quand même, est un gros YouTuber à côté de nous. Nous, on est un grain de sable dans le YouTube game. Vraiment, on est un grain de sable dans le désert du gaming. Surtout moi. Voilà, moi, je me suis poussière. Poussière. Et le mec, tout de suite, a dit oui, je veux en être. La cause me parle. Je signe où? What the fuck? Et le mec a été adorable. Il a été adorable tout du long. Il a joué le jeu. Si vous n'avez pas vu les rediffs des matinales du Game Stream Heroes, hein, sur la chaîne Twitch du Game Stream Heroes, il y a un moment où il me tacle, mais elle est violente. Elle est violente celle-là. C'était pendant la dernière matinale. Où il était évidemment mon invité. On a passé cette matinée à discuter un petit peu de ses passions, de ce qu'il aime, notamment de sa participation au Game Stream Heroes, le fait aussi qu'il soit pendant l'événement non seulement le parrain, mais aussi l'un des directeurs de la maison Coursouffle, qui, je vous le rappelle, hein, pour les streameuses et les streameurs du GSH qui sont là, Coursouffle a gagné. J'espère que cette année, ça va être la guerre entre les maisons, hein, entre Shooter Star, entre Coursouffle, entre Mobeugle et Or. Qui, en 2024, lors du Game Stream Heroes, hein, édition 2024, qui récupérera cette fameuse coupe, hein, du Game Stream Heroes? Qui détrônera Coursouffle? Allez savoir, allez savoir. Bon, en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que cette petite info vous a plu, ce petit discours, cette petite introduction, voilà. Vous savez, sur la chaîne, on est chill, on est entre nous. Regardez, le mec est au café avec vous. Un petit café, hein, dans mon petit mug, voilà, ma petite Senritsu, hein, dédicace. Voilà, putain, j'ai failli foutre du café partout. Un peu plus, c'était la catastrophe en plein live. Ok, bon, vous avez vu le live enfin, le titre de ce live. Prime, le robot géant. Ouais. Le robot géant. Est-ce qu'on va voir débarquer un mecha grandeur nature dans nos Commonwealths? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, merci pour tous vos petits cœurs. Je vois que l'idée du Discord communautaire vous plaît. Donc, bien écoutez, si vous faites partie d'une communauté, je dis par exemple une connerie, mais. Vous faites partie d'une commu comme Red Games, Silverwell, YoPlayStar, Gaming Wiz, The Wardo, peu importe. Voilà, peu importe d'où vous venez, de quel Discord vous venez, de quelle communauté vous venez. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir, eh bien, tout simplement, de temps en temps, si le cœur vous en dit, à passer des soirées avec nous, ne serait-ce qu'à discuter, un petit apéritif entre nous, pizza, voilà, tranquille. On discute, on fait des jeux à la con, on regarde des trucs. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Let's go! Allez! On est pour là, comme dirait Mustérion, pour épiler des chenilles. Hein? Hop là! Let's go! Pourquoi j'ai un bazooka à la main, moi? Rest in peace! À toutou! À toutou! Attention! À toutou! Comment ça va, mon vieux? Comment il va, mon toutou? Tu fais des tours? Alors, grand, tu connais des tours? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Oh là là, il monte son pipi! Oh là là! Incroyable, ce toutou! Allez! Voilà, hein. Heureusement que c'est pas notre personnage qui monte son pubis. Voilà, j'ai rien dit. Quoi, hein? J'ai dit quelque chose?
Je ne sais pas. Vous n'avez rien entendu. On essaiera évidemment, Antoine, de continuer le plus longtemps possible à faire des Game Stream Heroes. Et ce que vous devez savoir, c'est que Commit Event, donc qui organise le Game Stream Heroes, est une association à but non lucratif. C'est 100% du bénévolat. Et voilà, on essaie de trouver des mécènes, des entreprises qui auraient envie de financer ce beau projet. Sachez que les entreprises ou les particuliers, on défiscalise à donf. Donc faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Les entreprises peuvent défiscaliser et se faire plaisir lorsque les impôts viennent toquer à leur porte. Donc on a besoin évidemment de soutien, on a besoin de financement. Donc on essaie de trouver des financements un petit peu partout à notre hauteur pour pouvoir faire perdurer cet événement Game Stream Heroes, puisque malheureusement, l'argent ne sort pas du cul des poneys, sinon j'aurais déjà un cheptel dans mon jardin. C'est bien connu. Ok, allez, on va regarder les données. Alors, les quêtes, liberté, ressuscité. Il faut aller parler au scribe Allen. Donc, le scribe, normalement, si je dis pas de conneries, c'est dans le comico. Attends, il est où le comico? Je crois qu'il est là. Oui, c'est Cambridge. Oui, je crois que c'est le commissariat de Cambridge, que j'allais pas dans le mauvais comico. C'est quoi ça? Point de passage, écho? Hein? Ah d'accord, ok, bon bah, ok, on va là, on va là. J'ai rien dit. Oh, j'ai dit on va là. Ah, lieu pas encore découvert, d'accord, je me fous littéralement un coup de pied au cul. Allez, on va juste à côté. Et c'est parti. Bon, j'espère qu'on va pas arriver en pleine fusillade, là. Bon, tout à l'heure, j'ai fait une TP juste avant de lancer le live, parce que j'ai vendu toutes mes camelotes. Je me suis TP, je suis arrivé en pleine fusillade. Ah, j'ai couru, j'ai serré les fesses et j'ai couru en zigzag. Je vous le dis tout de suite. Où est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as trouvé, Pépère? Wow. Je connais ce bruit. Ok, c'est des mutes. Merci toutou, vraiment. Vraiment, merci. Qu'est-ce que t'as foutu? Ok. Du calme. Ok, Edin. Oh, toutou, j'aime pas avoir toutou comme ça, là, ça me fout le cafard. Ok, vous voulez jouer? On va jouer. Allez, hop. Allez, amenez-vous, bande de sacs. Ah, vous voulez la jouer comme ça? Où est-ce que t'es? Tiens, regarde. Hop. Ok, je t'ai vu. Allez, ça dégage. Ouh! Il y en a un autre qu'on veut là? Non mais tant qu'on y est après tout, autant... hein? Ah, il y a encore du people? Allez, poussière de diamant. Il n'y a plus personne. Là, ça commence fort. Ça commence très fort. Je vous avais dit, on va se TP, c'est obligé, je vais arriver dans une fusillade. Eh ben, ça va pas louper. Ça n'a pas loupé. Alors, je fais vite fait le tour quand même. Il se peut qu'il y ait des choses intéressantes. Hein, c'est... Vu que ça ripop assez régulièrement. Voilà, hein, on va faire le plein. Hein. Scotch, ouais, avec la molette, tu peux te la mettre dans... voilà. Dans ta molette. Hop, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Par contre, ouais, faire attention. Il y a souvent des mines ou des conneries comme ça avec eux, là.
C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais voilà, hein, ils sont pas non plus, quand il faut se foutre sur la gueule, c'est pas non plus les derniers. C'est pas des manches non plus, les super mutants. Ok, ça de toute façon, on leur vendra. Alors attends, je fais gaffe. Ok, ça on va peut-être pouvoir le déverrouiller. À voir. Alors. Ok, ça va être par là. Ah, j'y suis allé un peu comme un manche. Ok, alors. Bon, allez, hop, je prends tout. Ok. Allez, tout, on y va. Allez. Voilà, va mon gros. Un, tac, tac. Les poubelles, on s'en fout. Dendratope. On s'en fout un peu. Toi, t'avais quoi sur toi? Ok. Fusil de précision, machin. Hein. Il y en a un autre que j'ai étalé un peu plus loin là. Hop. Il est par là. Les chiens, bah, je m'en fous un peu parce que bon, ils ont pas forcément des trucs intéressants sur eux. C'est très rare, sauf quand c'est à la limite un légendaire. Mais c'est assez rare quand même de tomber sur un toutou légendaire, hein, faut pas se mentir. C'est quelque chose d'assez rare. Hop. Ok, on a fait le tour de la déchetterie. Hop là! Ce saut de gazelle. Viande de chien errant. Allez, hop, on va bien trouver quelqu'un à qui le revendre. On trouvera bien un PNJ. Hop. Ah, ta 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 ta, qu'est-ce que je viens de voir là? Hop. Bonjour, monsieur Lal. Ah, c'est tout? C'est tout? C'est un scandale. Il me semble qu'on peut monter. Ah, je me suis fait peur moi-même. Il me semblait qu'on pouvait monter. De mémoire. D'accord, on peut pas rentrer là-dedans de toute façon. Hop. Il n'y a rien. Je crois que c'est de l'autre côté. Ah bah voilà. Allez hop. Pour l'instant, on peut ramasser un peu tout et n'importe quoi, vu que on a littéralement vidé notre... Ah oui, voilà. Notre sac. Avant de partir, donc on est bien. Hop. Qui est à l'étage? Qui est... Hop. Alors, à boire, très important. Oh, one shot. Ok. On revendra tout ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Sur le balcon, il n'y a rien. Non. Ok. Ah! Bah, je suis redescendu là où je voulais. Ok, la carte. Nous sommes ici. Ok. Hop, c'est par là. On y va. Allez, toutou. On se tire. Aïe, mon gros. Viens, ma grosse dinde à patte. Alors, je fais gaffe parce que dans ce biome-là, il y a beaucoup de petites saletés qui traînent. Il y a beaucoup de petites saloperies qui traînent. Des mouches, des moustiques, des chiens errants. On est bien sur la bonne. Oui, donc c'est par là. Et il faut toujours faire gaffe, on fout les pieds. Nani. Donc le psycho hein, dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me dire si le son du jeu pour vous, ça va. Le ratio hein, avec la grande gueule de votre humble serviteur. Bonjour! Comment ça va bien? Oh. Ouais, 30 bornes. 30 bornes à peu près. Alors, discuter de la mission, merci, commissariat de Cambridge. Alors, Sauvage, elle vous pose toujours problème? Depuis qu'on a un vertipteur, ça risque pas. Bon,
Je sais que vous n'êtes pas là pour discuter, alors je vais faire court. Nos hommes ont installé l'équipement dont on aura besoin pour vous localiser quand vous aurez trouvé les bombes. On a bricolé cet émetteur de détresse à impulsion pour qu'il diffuse une tonalité particulière. Quand vous trouverez les bombes, placez l'émetteur et on s'occupera du reste. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à retourner voir le connétable Ingram pour lui faire votre rapport. Ok, émetteur de détresse. Émetteur de détresse, j'espère que ça marchera. Si je survis, ça n'a pas l'air difficile. J'espère que ça marchera. Je sais que c'est pas la première fois que vous allez dans la mer luminescente, mais pensez à bien surveiller votre compteur GG. Sinon, les radiations vous feront cuire de l'intérieur. Bonne chance, chevalier. Je me disais aussi que l'endroit où on se dirige me dit quelque chose. Il faut qu'on aille chercher tout le matos qu'il faut. Il faut aller chercher l'armement lourd là parce que, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a été dans la mer luminescente, on s'est dit « Ouais, vas-y, on va y aller comme ça. » On y a été YOLO random. Non. C'est non. Il faut se préparer. Tu vas pas là-dedans comme quand tu pars te promener dans le Commonwealth. Donc non, il faut se préparer un minimum. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, madame ? Ah non, je croyais. Ouais, parce que sinon, on va se faire littéralement fumer la tronche. Alors, tac. Allez, on va vite fait à Diamond City. Parce que sinon, on va se faire poutrer. On va se faire poutrer. Là, j'ai même pas le minigun sur moi. J'ai juste le lance-roquette. On ira nulle part. C'est pour vous dire, j'ai même envie, carrément, j'ai même envie d'emmener le Fatman avec moi. Tellement là-bas, c'est l'enfer. Vous tirez sur les gens, madame ? Bah, mon père dit que c'est ce que font tous les étrangers. Bah écoute, si tu veux que je t'allume gratuitement, je peux, hein, ça me coûtera une cartouche, hein, c'est tout. Ça me coûtera pas grand chose. Hop, 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 hop. Il est où Roberto Pablo de la Cabeza. Ils font tous dodo. Hop. Bla, 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 bla. On a un point aussi à attribuer. T'es drôle, toi. Alors, hop. Fana de capsule. Hop là. Ah, les conditions ne sont pas remplies. Shit. À chaque fois que je vois ce truc-là, je sais pas pourquoi j'ai dans la tête... Gundam style. Salut Rio, comment ça va? Comment il va bien, notre Rio national? Bah, du coup, on va mettre... on a le dernier Fana d'armes. Ou armurier. Bah, écoutez, on... Hop, comme ça... Ah, on remplit pas les conditions. Voilà, pied-bouche. Hop là, voilà, comme ça, ça s'est fait. Du coup, voilà, on va pouvoir vendre. Voyons ce que vous avez là. Le plaisir de voir notre ami Rio débarquer. Donc, on l'avait annoncé hein, lors du début du live. On vous a montré, je le remontrerai tout à l'heure, les rêves qui ont été réalisés grâce au Game Stream Heroes 2023 et aux dons que vous avez donnés pendant cet événement. Donc, deux rêves. Celui de Maxime, une jeune demoiselle fan de K-pop, et du petit Tej. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a pu également réaliser son rêve. Et ça, c'est super cool. C'est super cool. Parce que quand on voit les yeux des gamins, les étoiles qu'ils ont dans les yeux, c'est la meilleure des récompenses. Et tout ça, eh bien, c'est grâce à vous toutes et tous. Alors, allez. Ça, on va faire par catégorie, ça ira plus vite. Ça dégage, tac, tac. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Non, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage aussi. Une planche, bah oui, une planche. On va aller dans la mer luminescente avec une planche. Oh! Oh. On va le mettre de côté, lui. Ok, jusque-là, c'est bon. Hop. Alors, ça se dégage, on s'en fout. Hop, ça dégage aussi. Hop, heureusement que je regarde sur ce qui se passe. Ok,
Allez, hop, merci, bisous. Notre maison. Et on est garé par où? On est garé par là. On va chercher ce qu'il faut. On va dans la mer luminescente, les enfants. Je vous le dis tout de suite. Accrochez-vous. Donc, je vais aller chercher la déchiqueteuse. Mais qu'est-ce, de quoi il parle? Je vais aller chercher la déchiqueteuse. C'est son petit nom. Alors, hop, déjà. Allez, hop, je mets ça comme ça à l'arrache dans le coffre. Hop là. Attends, on a encore un aimant à haute densité. Putain, mais. Ok. Hop, hop, voilà, on se débarrasse de ça, c'est bon. Allez. Hop, ça dégage. Ok, le coffre. Alors. Nanana. Nanana. Ah, je l'ai mis dans celui-là, peut-être. Ça serait pas déconnant. Oh là, c'est pareil, j'ai plein de trucs à voir là-dedans, à chercher là. C'est n'importe quoi. Allez, hop là. Alors ça, là, pour l'instant, je peux pas. C'est trop lourd ce truc là. Ok, on va poser. On va poser ce gun là qu'on a trouvé. Alors, il est où? Voilà. Ok. Est-ce qu'on a un Fat Man là-dedans qui traîne? Il faut que j'aille. Allez, on dit qu'on y va comme ça, même pas peur. Allez, on est chaud de toute façon, on est chaud. Je t'avais dit le sud, c'est l'enfer. Salut China, comment ça va? Comment vas-tu? On est parti. On est parti pour la mer luminescente. On va aller se transporter dans cet enfer radioactif. Normalement, j'ai ce qu'il me faut. On vérifie. Ok. 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 Alright. Ah, là, il n'y a rien d'attribué. Très bien. Alors, on va tout de suite placer la déchiqueteuse. Et la déchiqueteuse, on va la mettre en. Ouais, on va la mettre en 5. Ça sera bien. Voilà. Je suis là pour découper, moi. Le lance-missile, ok. Ok, et après, le reste, c'est les soins. On est bien. Allez. La carte. Donc, il faut qu'on revienne ici. Alors, j'espère qu'ils vont nous. Ils ont juste, en fait, je crois, ils ont juste un émetteur-récepteur. Donc, ils nous ont chargé de se rendre dans la mer luminescente à un endroit spécifique pour aller chercher quelque chose. Ce quelque chose va nous permettre, eh bien, tout simplement. Voilà. Localiser le site de stockage de bombes. Au secours. Alors, on va mettre un. On peut pas mettre un petit. Voilà. Là. Oh! On peut pas placer un. Déplacer le marqueur. Voilà. On peut pas le mettre dessus? Non, même pas. Ah oui, on va être carrément à l'opposé de la cratère du cratère d'atomes. Le cratère d'atomes, c'est. Souvenez-vous, hein, cette zone où, en fait, ils sont. À moitié tous allumés du ciboulot. Hein, il vénère le dieu radioactif, mes couilles le temps se brouille. Hein. Les mecs restent dans une zone ultra radioactive, mais tout va bien. Tout va bien. Hein. Ils vivent leur meilleure vie. Hein, bon,
ils ont plus de cheveux, ils ont plus de chicots, ils ont les yeux qui font ça, pour le peu qu'ils en ont pas dans le dos. Bon, bah, quand faut y aller, j'ai envie de dire, au lieu de se taper tout le chemin là, on va faire ça, hein. Mais c'est ça qu'il nous faut, enfin. Tu as déjà le marqueur de la mission. D'accord. Je n'avais pas capté en fait que quand on avait le truc, ça te donnait un truc en plus. Ok. Donc nous, on est censé se rendre là-bas. Donc bah du coup, lui, je vais l'enlever. On est censé se rendre là. Allez! Let's go, dude! Bon, niveau radiation, pour l'instant, ça va. Je regarde toujours au loin ce qui se passe. Hein. Je regarde toujours au loin ce qui se passe. Parce que ça va tellement vite ici. Non, je veux le retirer, merci. Ça va tellement vite. Tu marches sur un écorcheur, tu l'avais même pas vu, hein. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est quoi ce petit gun? Ce petit gun est extrêmement efficace. Vraiment. Il est d'une efficacité à toute épreuve. J'essaye de pas trop non plus, comme qui dirait l'autre, chercher la petite bête. Si on peut éviter les potentielles confrontations, on évite. On évite. Et Toutou, je compte sur toi, hein, tu vas pas me chercher le premier mob qui traîne. Hein. Parce que ça, c'est sa spécialité aussi, lui. Hein. Une fois, il a été me chercher un écorcheur comme ça. Il fait hop, 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 hop. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Si nous, on l'a pas vu. Merde. Trop tard. Trop tard. Alors. Inventaire. Soin. Donc, pour être sûr que ça soit efficace, on va faire. Hop. Hop. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Est-ce que vous avez vu l'efficacité de ce petit flingue de rien du tout? Allez, merci, bisous. Donc on va en profiter que les effets soient encore actifs. Enfin, comme ça, si jamais on croise qui que ce soit, on lui fait littéralement le cucu. On n'a pas le temps. Allez, on fonce vers notre objectif. Ah, je vous ai dit, hein, ce gun modifié là, j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis littéralement tout mon cœur. Sachant que j'ai pas forcément la moitié des compétences pour l'armement, quoi. Ouh, sympa, faire un petit barbecue là. Ok, on est presque arrivé. Par contre, j'ai une question qui vient là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est sur le côté là. Ok, j'imagine que ça doit être ce truc là. Site de surveillance. On va quand même prendre un petit cacheton aussi. Hop. Voilà. Alors, c'est même sûr et certain, hein, que le site va être gardé. C'est gros comme une baraque. Alors, voyons voir. Serre bien les fesses, bonne chance. Bah, je sais pas si t'as vu Rio quand même. Hein, ce gun, c'est pas un truc de zinzin vraiment. C'est un truc de zinzin ce gun. Il est aussi puissant qu'une machine gun, quoi. Ok, donc ça c'est le site, mais l'entrée, où se trouve l'entrée? Toujours bien regarder autour. C'est quoi ça? Ok, parce qu'une fois comme ça, je croyais que c'était un tas de pierres. Non, ce n'était pas un tas de pierres. J'aime bien parce que Toutou, lui, il vit sa meilleure vie. Oh!
Vous croyez que si je tire dedans, il va se passer quelque chose? Allez, on est arrivé sur place. J'aime bien aussi. Oh bah oui, hein. Il ferait presque honneur à l'arme, à ton arme finalement. Hein. Ah, il est presque aussi efficace. Hein. Ah bah ça, c'est ce qui s'appelle fermer une porte. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ouais, toi aussi, Toto, tu le sens pas là. Je le sens pas cet endroit là. Je le sens pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Je ne sais pas, mais j'ai bien envie d'aller voir quand même. Attends, t'es sérieux là? Mais le truc est immense. Attends, Toutou. Attends, pousse-toi. Toutou. Toutou, merci. Allez, pousse ton gros cul. Je fais déjà une... premier état des lieux. Ouh, déjà, ça me plaît pas là. Les trous comme ça dans les murs. Ça me plaît que moyennement. Ah ouais, ça me plaît que moyennement. Qu'est-ce que... C'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe. D'accord, on peut pas interférer avec ça. C'est pas comme si on allait sauter. D'accord, peut-être que c'est peut-être plus logique de passer par là. Mais j'ai quand même, j'irai quand même voir après ce que c'est que ce truc dans la cage d'escalier. Je me demande ce que c'est. Moi, je prends le libérateur même arme. D'accord. Ah, c'est parce qu'en fait, je me suis entiché de ce petit gun. Qui est à la base un revolver lambda. Hein, qui a rien d'extraordinaire. Mais une fois full modif. Excusez-moi l'expression, mais... avec ça, tu te fais plaisir. Hein. Tu te fais plaisir. Bonjour, salam. Excusez-moi. Il n'y a personne. Par contre, cette alarme va vite me casser les rouleaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'imagine en plus qu'il va y avoir gavé de saloperies... Ah, on la voit, on la prend direct. Hein, pas vivre le même enfer la dernière fois. Hein, dans ce... Ah, un petit magazine. Oh, énorme référence à Resident Evil. Ou est-ce que c'est pas Resident Evil qui a fait une référence à Fallout? En plus, les munitions ne sont pas rares. Ah bah clairement. Cette petite jaquette de... de comic book là est une référence non dissimulée hein, ou alors comme je disais hein, c'est Resident Evil la série qui a fait un clin d'œil à ce petit bijou. Ok quoi hein, quoi tout ça pour rien, juste pour montrer des chiottes, même pas propre en plus, on peut même pas les poser une pêche tranquille. Ah, il y a un petit quelque chose là. Tu fais attention, hein, t'as compris, hein? Comment ça va, mon vieux? Ça va? Alors, mon grand, tu connais des tours? Oh là 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 là, regardez-moi ça, ce profil, hein, de fin ligné! Si c'est pas incroyable quand même, c'est tout. Allez, pousse-toi, Kenigo, pousse-toi! Non, pousse-toi, gros, allez! Allez! Voilà. Ouais, parce que tu sais que tu vas te trimballer tout ce que je vais prendre, quoi. Alors, par contre, il y a un truc qui me... D'accord, je ne sais pas ce que c'est que cette pièce, mais on va voir.
Alors, le terminal. Qu'est-ce que ça raconte? Ouvrir la porte de sécurité. Ouais. Alors, état de lancement enclenché. Porte de sécurité fermée. Fermeture forcée pendant le lancement. Bah, vas-y, moi, je vais ouvrir la porte. Ouvre la porte. Allez. Canigou, s'il te plaît. Elle est pas ouverte, cette porte. Voilà. Ouvrir la porte de sécurité. Ah! La porte de sécurité ne s'ouvre pas. J'ai peut-être mal vu un truc. Hop, hop. D'accord. Fermeture forcée pendant le lancement. D'accord, donc c'est qu'il y a un lancement en cours. Alors attends. Les portes doivent rester fermées. D'accord. Est-ce que ce serait pas ces portes-là par hasard que j'aurais ouvert comme un gros sac? Hop! Oui, je suis discret. Comme un 38 tonnes. Non, c'est qu'il y a, il y a autre chose. Il y a autre chose. Allez, pépère. Viens. Allez, toutou. Toutou, allez, viens. Allez. Bon, tu passeras à travers la porte. Je te connais, t'es talentueux. T'as le talent pour ça. Ah. T'es pas mort juste comme ça. Okay, on va regarder. Ok. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Allez, on va descendre. J'espère que c'était toutou. Le mec ne prend même pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ça aurait été énorme un jumpscare là. Ça aurait été du génie. Quel Resident Evil? La série. La série Rio. Qui a été diffusée sur Netflix. Qui est pas ouf. C'est pas ouf. Ça fait sa petite tambouille quoi. Hein, un peu comme... comme celui qui a fait la série de films Resident Evil, Paul W.S. Anderson, je crois. Je crois en de mémoire que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le mari de Mila Jovovich. Hein. Ok, on a tout récupéré. Bon alors, pourquoi que ça veut pas machin hein? Fallait peut-être descendre tout en bas. Qu'est-ce qu'il y a, toutou? T'as l'air stressé, mon pépère, là. Hein? T'as l'air en stress. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens pas bien? Ok, le bugle. Donc il y aura un ordinateur ici. Il y en a un autre là. Ok, il y a une pièce là. Un dossier, hop. Je sais même pas pourquoi j'ai pris le marteau. Ah bah c'est Oh bah pardon monsieur, désolé. Vraiment désolé, hein, mais il doit y avoir un truc là-haut. Oh. Je vais quand même regarder si on peut pas...
Voilà, tac. Alors, terminal. D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi ils avaient mis. Ok, je connais pas la série. Bah écoute, par curiosité, voilà, moi je veux pas te spoil. Par curiosité, c'est sur Netflix, elle est toujours disponible. Voilà. Donc je t'invite à aller te faire ton propre opinion. Tout simplement. Donc il fallait descendre. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ah d'accord. Oh bah direct, hein. On va pas perdre de temps, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Allez, hop, ça dégage. Elle, je les ai zigouillées, elle aussi. Si on peut éviter hein, de se farcir des goules. Tant mieux, moi j'ai envie de dire. Hein. Parce que surtout qu'avec ce gun, tu fais du nettoyage vitesse grand V, quoi. Oh, déjà que t'es moche, ça. Allez, dégage. Hop. Tiens, dans ton cucu, toi. Et une deuxième au cas où. C'est gratuit, ça fait plaisir. De toute façon, hop. J'ai le gun anti-ghoul. Donc la première qui va vouloir se la mettre avec moi, ça va lui faire tout drôle. D'accord, le mec tire dans un bâtiment où il y a des bombes nucléaires. Tout va bien. Tu fais dodo toi aussi? Oui. En plus, t'as une petite voiture. Un ballon. Allez, on fait nos courses. Les gamins du Commonwealth vont être ravis. Quoi? Mais t'es sérieux toi? T'es venu tout seul avec tes petites pattes là? Oh, mais j'y crois pas quoi. Petite saloperie. D'accord, il y a un truc en bas là. Ok. De toute façon, j'imagine que la finalité du truc, c'est d'aller en bas. Bonjour. Ah bah c'est là d'où on... D'accord, on a fait le tour. Ok, d'accord. Oh, je vais pas perdre de temps. Hop! Allez les nazes, réveillez-vous! Quoi, vous êtes déjà mort? C'est pas drôle. Touche pas mon chien, toi. Alors, hop, on fait la petite vérification d'usage. Il y avait des escaliers, d'accord. Il y avait des escaliers. Mais j'aime tellement sauter aussi par-dessus les trucs là. Ah, vous m'avez donné des sales habitudes. Hein, de me défenestrer d'immeubles. Ah, tu n'as pas Netflix? Bah, c'est bien dommage que Netflix ait été assez stupide. Pour ne plus faire le partage de compte, c'est-à-dire qu'en fait vous pouviez offrir un accès si vous le souhaitiez à quelqu'un pour qu'il puisse regarder bah, des séries gratuitement. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très con de leur part. Alors, circuit imprimé, ok. Moi je veux ça, moi. Moi je veux ça. C'est encore loin là. Ah! Hop! Allez, on va s'amuser un petit peu. Parce que sinon, c'est pas drôle. Touche pas le chien!
Oh, comment tu t'es fait rosser par le chien, le légendaire, là. Ah, oh, j'aurais honte à ta place. Je suis bien, mon pépère. Je suis bien, t'es un bon toutou, oui. Je suis bien, oui, il est content. Oui, il est content. Ouais, je ne t'ai pas tiré dessus, j'ai pas fait exprès. Je ne vois pas de quoi tu parles. Enfin, voyons, toutou. Comme si j'étais capable de te faire du mal, hein. Vraiment. Hein. Un pépère. Ah, j'ai pas vu ce que c'était, du coup, mais bon, on verra ça plus tard. Hop. Non, c'est bon, ok. Hop. En plus pour un hochet, quoi. Si tu tires sur Toutou, ça fait quoi? Bah, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Toutou est immortel. Donc, mais des fois, je me demande si c'est pas volontaire qui bloque un peu comme ça, là. Prudence. Ouais, t'as entendu? Prudence. Allez, viens. Viens, mon gros. Viens, mon pépère. Allez, viens. Viens, papa. Tiens, un cadeau. Allez, hop. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Il devait y avoir une boîte. Vous savez, les boîtes à repas, là. Il devait y avoir une boîte à repas dans le coin. Sauf que bah, la goule était pas prête. La goule était pas prête. Et moi non plus, d'ailleurs. Oh, le con. Prudence. Voilà, pousse-toi. Un grippin, d'accord. Ika, est-ce que tu crois franchement que c'est le moment de choper un grippin? Tu as envie de se faire des petites tartinettes? Jeton de métro, ok. Hop. Eh, pépère, allez. Il faut que... Voilà, il faut que tu te pousses quand même. Un savon. Voilà. Tu vas voir, pépère. On va rentrer. On va aller te laver. Tu vas être content. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Hop là! Ça y est. Ah, sur la bombe, je sais pas, j'ai pas trop envie d'essayer en fait pour le coup, Rio. J'ai toujours eu un très mauvais relationnel avec les bombes. Pour le coup. Qu'est-ce que c'est? Jouet paresseux? Ah oui, d'accord, il y avait vraiment une boîte. Une petite boîte à sandwich cachée, quoi. Désolé, copain, hein, vraiment. Tu fais dodo? Il fait dodo. Ok, il y en a un autre là-bas. Canigou, non! Canigou, il aime bien faire des trucs un peu stupides, hein. Genre, ah, il m'a jeté. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. L'autre, il arrive. Ouais, c'est une goule. Tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. Eh oh, oh, oh. Ça va pas ou quoi? Ouais, c'est la goule. Tu donnes pas de nouvelles. On peut pas te faire confiance. Encore du monde là-dedans, là? Ah, qu'est-ce qui me bloque? Un caillou. D'accord, très bien. C'est bon, là? Tiens, au cas où. Au cas où, si t'étais pas mort. Ok. Bien parce que Ryu il a quand même des idées un peu farfelues quand même. Hein, j'avoue ça m'a traversé la tête aussi. Là. Eh ben il se passe rien. Voilà, j'ai tiré dessus. Hein, il y a une bombe dans la cage là, ça va, il ne se passe rien. Si, apparemment ça fait bugger Toutou. Ah, ça me fait arriver de l'autre côté. Bonjour! C'est au cas où, hein.
Mais Toutou! T'as niqué toute la mise en scène du squelette là! Alors ça pour ça des fois c'est un peu chiant. Parce qu'il existe donc des mises en scène et le squelette était positionné d'une certaine façon. Et j'aurais bien voulu voir le pourquoi du comment. Parce que des fois ça peut faire ça peut être des références directes hein, à des films ou à d'autres choses. Et j'aurais bien voulu voir. Mais Toutou est arrivé, tiens, hop, voilà. Je sais pas si je... Non, je sais pas si je vais te le donner. Je sais pas si tu mérites. Hein. Je sais pas si tu mérites ton petit nounours. Hein, t'es toujours en train d'arriver là. Comme un kamikaze. Je crois qu'il y avait un truc derrière, mais non. Alors par contre, là, il y a une caisse. Ok. D'ailleurs, on va prendre un petit cacheton. Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas pris. Hop, voilà. On va se prendre un petit steam pack. C'est pas comme si j'en avais pas. Je me rappelle au début. Oh là là, on galère, on n'a pas de steam pack. Comment on va faire? On va mourir, on n'a pas de soins. Aujourd'hui, on en a tellement qu'on pourrait ouvrir un hôpital. Allez, Pépère, viens. Donc par là, c'est condamné. Hein, quoi? Ouais, c'est condamné. On va aller voir par là, on va suivre le truc, hein. D'accord, on a plusieurs options. Toutou. Mais t'es sérieux? Vous l'avez vu, hein? Vous avez vu. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Les développeurs aiment bien mettre des nounours partout avec des postures différentes. J'avoue. J'avoue. Mais là, pour le coup, je sais pas si vous avez vu. La grenade qui rebondit sur la tête de Canigou. S'il vous plaît, quoi. Ce chien est un génie. Ok, on récupère pas mal de choses intéressantes. Fais dodo, toi? Oui, fais dodo. Ok. Ce petit gun aussi est bien, hein, ça les atomise littéralement. Ok. Donc c'était juste un petit endroit. Ok. Bon. J'imagine qu'il faut continuer notre progression. C'est quoi, c'est une porte, ça? Non. Hop là, il y avait un trou par contre. Donc j'espère que tu vas bien, Stéphane. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ainsi que l'ensemble de nos camarades. Le rendez-vous du mardi, vous êtes là, fidèle au poste. Ça fait plaisir. Ça fait dans Chilera, ça. C'est bizarre qu'on n'ait pas croisé une seule goule luminescente. Au cas où. C'est obligé, il y en a qui vont venir de par là. Non? Non? Bon. J'étais peut-être un peu médisant. Ok, on ramasse énormément de choses. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a un passage. Ok, on approche de notre objectif, je pense. Pourquoi je ramasse des clés à molette? Vraiment? Quand c'est comme ça, faut me le dire. Hein. Faut me dire, Ika, tu fais de la merde. T'as pas ouvert un garage. Hein. Jette-moi ces clés à molette, s'il te plaît. Respecte-toi, un minimum. Hein? Il y a un truc qui arrive, là? Ah! Alors attendez. Hop, on va l'accueillir comme il faut, lui. Hop là, allez. Un petit psycho, voilà, parce que ça fait plaisir. Un petit jet, parce que ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Bon, tu te dépêches, par contre. Voilà. T'as juste eu le temps de venir nous faire un petit bisou. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau, évidemment. C'était obligé qu'il allait y avoir une goule radioactive. Il y en a toujours.
Non, c'est bien pour l'acier. Ouais, complètement. Tu es un légendaire avec une grenade. Ah bah oui, on n'a pas de pitié. On n'a pas de pitié. Donc oui, effectivement, on est sur les quêtes de la confrérie de l'acier. Et on est sur cette fameuse quête où il faut aller poser un émetteur. J'étais à deux doigts de t'en coller une, toi. Toutou? Toutou? Il est où ce con? Non mais, il est sérieux lui? Mais t'es quand même pas resté ici? Mais alors toi vraiment Restez en position. On y va. Allez, viens. Oh là 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 là. Ça c'est le truc typique qui n'a jamais vécu cette situation dans Skyrim. Alors voyons voir. Non, c'est bien pour l'acier, il apparaît où lui. Et en raccourci, il a fait les deux, comme ça. C'est-à-dire. Parce que en fait, comme on avait des missions déjà d'enclencher, mais qui s'avèrent au final, c'était des missions de DLC, j'ai vraiment voulu revenir sur la quête principale. Donc en fait, on m'a conseillé de faire les missions bah, en attendant de la confrérie de l'acier. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire du coup. Allez, viens toutou, viens. Après, Stéphane, je peux te montrer les missions que j'ai, hein, pas de soucis, hein. Mais tu m'as foutu les boules, toi. Madame. Oui. Madame. Oui. Madame. Oui. Madame. Oui. Je vois que tu vas pas changer ton refrain. Ah, oh, cette affiche, elle est tellement cool. Alors, hop, hop. Ouais, hein, je me sers évidemment. Voilà. Il n'y a rien là-dedans. Hein. C'est étrange qu'il n'y ait rien d'ailleurs. Frère Henry. Ah oui, tu. Terminal d'Henry. Il y a quoi là-dedans? Une ampoule. C'est tout? Allez, la valise. Le mec est tout seul dans un bâtiment comme ça, perdu au milieu de rien. Fabrique des psychojets maintenant comme drogue. Prends les quêtes que tu veux. Alors. D'accord, ok. Après, c'est vraiment pour éviter. On sait maintenant quelles sont les quêtes liées à des DLC. Mais effectivement, je voudrais éviter. Excusez-moi. Indiquer le but de votre venue ici. Vous foulez les terres sacrées d'Atom. Non mais Atom, non mais faut arrêter avec ça les gars, faut arrêter. Hein. Alors un petit peu de sarcasme. Les terres sacrées? Ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est tellement beau ici. Vos railleries ne m'atteignent pas. Les enfants d'Atom ont juré de protéger cet endroit jusqu'à l'heure de la grande fragmentation. Personne ne doit entrer. La grande fragmentation. Bah voyons. Alors assez de salade, ça sert à rien la grande fragmentation de votre côté. Reviendra et il déclenchera la grande fragmentation en touchant la terre de sa sainte main. Son rayonnement s'étendra, il nous illuminera à tous et donnera naissance à des mondes infinis en chacun de nous. Ça s'appelle une extinction. Moi je dis ça, je dis rien. Ok. Croyez-moi, je suis de votre côté. Je veux vous aider. Atom n'a aucun besoin de l'aide des impies. Oh Ce qui putain. nous reviendra, ses reliques porteront sa parole et sa gloire aux confins de la terre. C'est pourquoi nous devons les protéger.
Alors, découverte de cet endroit, pas le temps, entendre, étendre sa gloire. Peut-être me suis-je trompé sur votre compte. Si vous garantissez que ces reliques seront utilisées, la volonté d'Atome est respectée. Prenez ceci et préparez-vous à pénétrer dans son sanctuaire. Suivez la clarté de son rayonnement. Elle vous conduira aux reliques. Que l'éclat d'Atome réchauffe votre âme. Alors lui, je sais pas ce qu'il prend. Mais en tout cas, s'il veut partager, il n'y a pas de problème. Hein, parce que ça a l'air d'être violent. Hein. Les mecs, ils sont complètement à la rue, quoi. Ils sont complètement déphasés. Ils se rendent pas compte, j'ai l'impression. Hein. Alors, mot de passe requis, ok. Commande à distance de la porte. Commande des tourelles. Bah déjà, hop. Qu'est-ce qu'elles disent des tourelles? Désactiver, choisir une option. Fais voir. Ah. Informer sur votre système de défense. Information, fais voir. Utilisation des tourelles doit être réservée aux professionnels. Oui, jusque-là, normal. Hop, allez, on désactive. Voilà. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop, commande à distance de la porte. Ouvrir la porte. Merci. Vous êtes bien urbain? Et alors, tout à l'heure, Stéphane, on a fait une démonstration de puissance avec ça. Si monsieur. Si monsieur. On a poutré un écorcheur avec ça. Le pauvre écorcheur, quoi. Et quand je pense que je me suis fait chier à prendre la déchiqueteuse. Ça n'a aucun sens en fait. Ce gun fait largement l'affaire. C'est à se demander si même je vais pas faire tout le jeu avec uniquement cette arme-là. C'est à se poser la question quand même. Alors, ok, ça va. Allez, viens, toutou, on y va. C'est à se demander si je vais pas faire le jeu avec juste cette arme. Elle est complètement cheatée. Allez! Évidemment que je veux des mini-bombes. Moi aussi, j'en veux. Donc, on en profite, hein, parce qu'il doit y en avoir partout ici. Il doit y en avoir partout. Donc on fait notre marché. Hein, hein quoi? J'ai vu quoi là? Hein quoi? Ah c'est Toutou qui fait ça. Tiens bah rends-toi utile. Parlez. Comment ça va mon vieux? Comment ça va? Hein? Allez, allez. Alors mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Allez. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin mon grand. Allez, va! Va, mon pépère, va! Fais la fierté de ton maître! Ah, c'est l'autre qui marche là-haut, d'accord. Des bombes en veux-tu, en voilà. Ah, c'est. D'accord. Voilà. Waouh, il nous a fait un délire toutou là. Il s'est fait attends, je vais faire la course pour voir si je cours vite. T'as vu, papa, regarde comme je cours vite. Pour ceux qui ont des enfants, ça doit leur parler ça. Surtout quand tu leur achètes des nouvelles chaussures. Ils sont là, ils te regardent et tout, ils font ouais, t'as vu, avec ces baskets, je vais courir encore plus vite. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de mes conneries. C'est dommage qu'on puisse pas les prendre toutes ces bombes là, on se serait fendu la gueule. Bon bah y a rien d'autre hein, donc on est bon. On est bon. On n'a plus qu'à se tirer. Alors voyons voir qu'est-ce que dit la mission. Retournez voir le collectable Ingram. Vous pouvez pas juste l'appeler Ingram, c'est vraiment vous faites chier pour rien. Hein. Allez toutou viens. On n'a pas le temps. Viens mon pépère. Allez viens.
Allez, dépêche-toi. Prends tout ton temps, hein. Je sais que t'es la star du live, mais... Allez! Allez, dépêche-toi! C'est officiel, Ika est devenu fou. Mais je le suis déjà de par nature. Restez là, sur moi. Allez, viens. Bon, bah, tu te... Hein? Allez, bisous! Attention, magie! Ce chien va t'apparaître d'ici quelques instants. Bah, il va nous retrouver dehors. Hop là. Ok, bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je te préviens, toutou, je retourne pas te chercher. Tu te démerdes comme tu veux, mais tu radines ton cul. C'est bon là, ça y est, vous êtes calmé là? Ah, pas non! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir encore autour du. Quoi c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai cru que c'était un sous-marin! J'allais faire vraiment? Bah oui, mais toutou aussi. Alors. La carte. Ah oui, il faut qu'on retourne tout là-haut. Voilà, et hop! Let's go. Salut Ondine, comment ça va ma belle? J'espère que tu vas bien. Vous m'avez énormément gâté aussi, je dois le reconnaître. Coucou, c'est qui? C'est moi. C'est qui moi? La Ondine, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous rendez compte que là, on est à une personne du record de viewers sur la chaîne. C'est dingue. C'est dingue, c'est de plus en plus ouf à chaque live. Et je ne peux que vous dire merci parce que vous m'apportez énormément en ce moment de par votre présence, de par votre gentillesse, de par vos interactions dans le chat, de la façon dont en fait vous apportez votre contribution à cette modeste petite chaîne. Un grand merci. Tous les commentaires que j'ai pu lire ces derniers temps, alors j'ai pas eu le temps de répondre à tout, mais vraiment vous me gâtez. Et c'est vrai que des fois, je vois pas forcément tous les messages. Et pour les rediffs, je regarde un petit peu si le live est OK. J'ai la rediffusion du chat et vous régalez, vous régarez littéralement. Très bien depuis que je suis le live. Oh bah écoute, merci évidemment ma petite Ondine, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous voir arriver et de savoir qu'on passe un petit moment ensemble. Alors, hop, on va aller la voir, on va lui dire, c'est bon ton émetteur, il est collé sur la grue, nickel. Connétable Ingram. Appelle-la Ingram. Ah, ça y est, il commence à prendre forme, Prime. Je vais travailler avec votre équipe pour m'assurer que les bombes de Prime restent stables une fois qu'elles auront été chargées. Ça ne devrait pas poser de problème. Docteur Lee, je dois bien admettre qu'on n'aurait rien pu faire sans vous. Il est un peu tôt pour fêter ça, Connétable Ingram. Oh non! Ça m'a... J'ai cru que ça m'avait coupé la conversation. T'inquiète, un jour tu auras un grand public, j'en suis sûr. C'est pas forcément le but. Moi, plus on est nombreux, plus je peux sensibiliser les gens au Games Rémy Rose, clairement. On vous remontrera avant la fin du live les deux fiches des rêves des enfants qui ont été réalisés cette année grâce à vos dons. Alors, activer Liberty Prime. On a travaillé afin de monter ce robot, donc une machine de destruction massive qui appartient à la confrérie de l'acier. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Quelques modules d'armure assistée. Je les ai remis à Tigane, si ça peut vous intéresser. Ça
Ça peut, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Docteur, dès que les bombes seront là, j'aiderai le connétable Ingram à les charger sur Liberty Prime. D'accord, donc est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Je sais pas. Tu mérites un grand public, tes lives sont excellents. Bah, c'est très gentil, on essaye de vous divertir au mieux. Moi, vous avez pu le voir, je me prends jamais au sérieux. Je me prends jamais au sérieux. C'est ça le but. C'est faites ce dont vous avez toujours voulu en fait faire. Voilà. Restez vous-même. Amusez-vous. Faites le con. Restez sincère. Restez authentique. Et puis ça passe. Et puis ça passe. Voilà, j'ai Fallout 4. Ah, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Le petit café là qui passe bien. Allez, on appuie sur le bouton. Allez, 3, 4. Liberty Prime, activé. Commande de diagnostic acceptée. Module vocal activé. Test de fonctionnalité auditive initialisé. Identification. Liberty Prime Mark II. Mission. Libération d'Anchorage, Alaska. Cible principale. Tous les envahisseurs chinois communistes. Pardon ? Analyse système complète de Liberty Prime. Tous les systèmes normaux, armes activées. Attention, chargeur d'armes nucléaires vide. Chargement nécessaire. Attention, réacteur désactivé. Fonctionnement sur alimentation externe uniquement. Redémarrage du réacteur recommandé. Chance de repousser les envahisseurs chinois communistes. Compromise. Wow. Je vous remercie. Je dois bien admettre que je n'étais pas certaine qu'on arriverait à le faire marcher, mais tout a l'air bon. Et 10,09€. Ouais, effectivement, c'est le prix, hein. Bon, je pose Core Light et Ships Light. Alors, réacteur, je ne sais pas. Il ne fait pas le poids, l'Institut n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de son réacteur ? Prime est en pleine forme, mais il faut redémarrer son moteur nucléaire. Pour l'instant, il fonctionne sur les moteurs du Prilwen. Quand je me serai occupé de ça, on pourra l'envoyer défoncer les portes de l'Institut. Avant que vous ne partiez pour votre prochaine mission, j'ai quelque chose à vous donner. Je vous ai donné ce petit bijou. Ah ouais ! Un peu de punch à votre armure assistée. Alors, ça me servira, sarcasme, j'en contenterai, pas nécessaire. Vous croyez que ça me servira pour ma prochaine mission ? Aucune idée, mais ça ne mange pas de pain. Bon, allez, vous feriez mieux de retourner sur le Prilwen. L'aîné Maxon a dit qu'il voulait vous parler dès que vous en aurez terminé ici. Merci, chevalier. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. T'inquiète, paupiette. Oh là, putain, l'XP ! Ah, c'est monté d'un coup ! Et toi, alors ? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un travail important. Une trahison aveugle. Ah. Alors, je voudrais pas faire ma tartiflette, mais c'est peut-être pas un petit peu exagéré d'envoyer Liberty Prime aux portes de l'Institut. Un petit peu quand même, les gars. Hein, la confrérie de l'acier, tout dans la démesure. Tout littéralement dans la démesure. Bon. Eh ben, on va enchaîner. On va enchaîner, du coup. On retourne, hop, voir notre camarade, voir ce qu'il a à nous dire. Parce que le titre de la mission me paraît un peu étrange, quand même. Allez, on est sur le Prilwen. On va peut-être aussi pouvoir se faire gracieusement réparer notre armure. Ce qui serait pas un luxe.
J'avoue. Allez, pousse-toi, machin. Allez. Oh, mais moi, je veux celle-là, là. Je veux la T-60 complète. Non, sans déconner. Tu sais que tu m'apprends rien. Ils sont mignons quand même, ces personnages non-joueurs. Hein. Ils sont mignons comme tout. C'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, on va pas se mentir. Mais, scribe de la confrérie. Je veux juste aller voir si je peux me faire réparer gratos. Ah non, c'est vrai, je suis con. Hop, voilà, il faut être là. Et il faut descendre via l'ascenseur. Voilà. Comme ça, on va sur le pont, on va voir si on peut se faire réparer gratos. On va voir, ça peut être, ça peut être cool. Ça peut être cool. Allez, let's go, dude. Au rapport sur la passerelle. Je répète, l'officier de l'unité Delta est attendu sur la passerelle. Ah, elles sont stylées quand même, leurs armures. Les T-60, elles sont belles. C'est des belles bécanes. Y'a quoi par là? Bonjour! Ah oui, alors moi je me sers, hein. Je vous le dis tout de suite, là-dessus je suis le pire. En plus, on est à bord du Liberty, donc. Enfin, pas du Liberty, mais. Du vaisseau qui va nous permettre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, on peut? Non, je pensais qu'il nous fallait une autorisation spécifique. Ah, d'accord. D'accord, donc là, en fait, on a toutes les archives. Donc, je vais les lire en off, hein, parce que bon, je suis pas sûr que ça vous intéresse de ouf. Parce qu'il va falloir qu'on avance quand même sur le jeu. Mais ça nous donne, en fait, des informations supplémentaires sur certains personnages. Donc, c'est pas... Moi qui aime bien justement connaître un peu le lore et tout ça, donc ça va me servir. Alors, surtout ce que je veux voir, c'est est-ce que je vais... Ah, Minou, ça va, méchant. Hop. Miaou, moi aussi. Oh non, putain, pas toi. Oh putain, pas lui. Allez, on va sur le pont. Je suis fier d'être sous les ordres de Lenny Maxon. Bah c'est bien. Oui, bah écoute, parfait. Hop. Voilà, on sort de notre petite armure. Bon, elle est sympa quand même, hein, la nôtre, hein, on va pas se mentir. Alors, fabriquer. On va voir si on peut réparer un petit peu. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Quoi? Ah, j'ai plus d'aluminium. T'es sérieux? Comment ça, j'ai plus d'aluminium? T'inquiète, je vais aller trouver ça vite fait, là. Je vais te piquer 2-3 conserves, là. Tu vois, ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Oui, bah c'est parce que tu connais pas la technique, hein, c'est pour ça. Hein. Hop. Tu vas voir, en 2-3 mouvements, on va t'en trouver de l'aluminium. Hop, voilà. Hop, voilà. Tac. Ok. Eh oh, 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 comment t'arrives à me pousser, toi, aussi chétif que tu es, là? D'accord, on peut se connecter partout, en fait. Ça, c'est cool. Allez, tiens, hop. Hop. On va aller voir l'autre. Participer à la défense de la colonie Manor. Oh putain, démerdez-vous un petit peu là. Ah, ils sont galéreux avec ça là. En plus, on les a équipés tout le tralala. Donc, non, ils font toujours chier le monde. C'est horrible. Apprenez à vous démerder tout seul. Je vais voir si je peux pas reculer de. Reculer. Recycler.
Tu peux prendre l'autre armure. Alors, la meilleure armure, c'est la X01. Graphiquement, il en jette en tout cas. Ouais, pour un jeu qui date de 2015, il est encore très très beau. Il est encore très très beau. Et c'est comme Skyrim, hein. Vous prenez Skyrim avec la version Anniversary, avec le petit patch HD, il est très très beau. Et c'est un jeu qui date de 2011. 2011. Les plateaux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que les plateaux sont en aluminium, c'est vrai. Bien joué. Voyons voir. Hop, hop, voilà, comme ça on va les recycler en 2-2 là. Attends, est-ce que... Ah non, putain, je peux pas. Je peux pas recycler ici. Bon, on va aller vendre toutes nos merdes là déjà. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, je viens de voir un truc là. Alors, déjà, tac. Hop. Hop hop. Ah, j'ai pas été par là-bas. J'irai voir à l'occasion ce que c'est. Hop, excuse-moi. Tigan. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Allez. Voyons ce que vous avez. Toutes mes armes sont prêtes à l'emploi. On va revendre toutes les merdes là. Et hop. Il vend des pièces d'armure au fond. Ouais, mais je vais pas dépenser. Alors que là, je commence à avoir un petit pécule sympa. Je vais pas dépenser des trucs et acheter directement des pièces. À moins qu'il ait directement en fait des T60 machin. Ouais, lui il a des tenues et pour vous et pour l'armure. Mais je vais pas gaspiller en fait en achetant des pièces directes quoi. Canon grande vitesse. Viseur amélioré, je l'ai déjà. Ok, en armes, franchement, ça va, on est plus que bien en munitions. Ouais, bon. Hop. Bon, ça dégage. Ça, je garde ça. Ok. 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 Ça dégage. Ça, je garde. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ok. Hop. Ça dégage. Hop, 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 hop. Ça j'en ai déjà. Ça aussi. Ok. 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 Moi tant que je vois pas du plus partout, ça m'intéresse pas. Hop, hop. On est en train de le dépouiller littéralement. Voilà. Hop. Oui, ça aussi, hop. Tac, voilà. Boîte à sandwich, ok. Il te reste 126, c'est tout ce que tu as. C'est dommage qu'on puisse pas les lire. J'aurais kiffé. Vous imaginez pouvoir lire toutes les bandes dessinées que vous ramassez, c'est trop bien. Pas besoin de recycler, ça le fait auto quand tu répares. C'est vrai! Je pèse sur le max pour ne pas tomber à court. Normal. D'accord, bon, ça, je... Voilà, la maquette, ça, je garde aussi. Ça aussi. Voilà, ça dégage. Ça, je garde. Ça, je garde. Hop. Voilà. Tac, tac. Ça, je garde, je garde. Boîte de conserve, je garde. Briquet à essence. Hop là. Brosse à dents, cafetière. Cartouche, chalumeau, cigarette. Hop. Et de toute façon, il va plus avoir énormément de trucs. Ça,
Ça pèse le poids d'un âne mort, donc ça dégage. La craie, ça aussi. Voilà. Ok. 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 Voilà, fourchette en plastique. On va essayer d'arriver jusqu'au bout, hein, de lui prendre vraiment tout ce qu'on peut. Hein. Bon, je pourrais pas aller plus loin. Ah bah si, hop. Voilà, il te reste une capsule. Allez, merci, bisous. Je suis le pire. Ok, alors apparemment, donc hop, voilà. Bon, on a quand même une jolie petite T60, hein. Ah, c'est du plastique maintenant. Mais j'ai envie de crever littéralement. Littéralement. C'est pas grave, on en trouvera du plastique dans nos aventures. Hein. Allez, ça fera la rue. Hein. Elle tient encore debout l'armure, donc ça va. Salut Jeanne, comment ça va? Ça faisait longtemps. Bonsoir à toi. Allez, on est reparti pour un tour. Allez, grimpe dans la bécane, c'est parti. En avant, Jean-Mi. Alors. Trahison aveugle. Donc, on va aller parler à l'aîné. Allez, cassez-vous. Barrez-vous de là. Allez. On va monter et on va aller lui causer. Vous avez quelque chose à me dire, chevalier? Bah, on m'accuse, je ne comprends pas. Ton insultant, rien à cacher. Pardon? Quinlan en est absolument certain? Il a contre-vérifié ces informations plusieurs fois. Je peux vous assurer que ces résultats sont absolument exacts. Les données que vous avez rapportées contiennent les informations génétiques de chaque sujet, tout comme les dossiers que nous créons pour chacun de nos soldats. L'ADN du paladin Vance correspond exactement à celui d'un synthétique qu'ils appellent M797. Et pour ne rien arranger, il a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Cette absence soudaine ne plaide pas en sa faveur et renforce notre conviction que M797 et le paladin Vance sont une seule et même personne. J'ai du mal à croire qu'il ne s'est jamais confié à vous et vous a ensuite demandé de garder le secret. Risquer ma place, mon devoir, vous êtes gonflé. Il ne me l'a jamais dit. On va rester tel qu'on est. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour la confrérie, vous êtes gonflé de m'accuser de mentir. Chez. Non. Une autre solution, je ne sais pas, avec plaisir, il mérite une chance. Il n'y a pas d'autre solution? Non. Ma décision est prise. Écoutez, je n'oublie pas que Dan, c'était votre mentor. Et je sais que c'est difficile. Mais si nous voulons rester forts, nous ne pouvons pas faire d'exception. Même si ça implique d'exécuter l'un des vôtres. Allez voir le connétable Quinlan. C'est lui qui a analysé les données. Pouvoir vous donner une piste. J'oubliais. Si vous menez à bien cette mission, il y a une promotion à la clé. Ne me décevez pas. Rompez. C'est peut-être un peu expéditif quand même, mec, tu crois pas? Aîné Maxon. Désolé, Aladdin, je
Mais il y a peut-être une autre solution. Abuse pas aussi, toi, là. Donc, on vient de découvrir... Oh, le twist ! On vient de découvrir que le paladin est un synthétique. Alors, infiltré, pas infiltré, espion, pas espion. Je suis choqué, là. T'as vu, là, lui, il est pris en compte sans recycler. Ouais, ça, c'est cool, par contre, Rio. Ça, c'est... Merci pour l'info. Salut, Jidan, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Il est bouilloire. En ce moment, c'est compliqué de passer te voir. Je fais mon stage de quatrième. Mais t'inquiète, Chan, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu le sais, tu le sais. T'es toujours le bienvenu. On a tous aussi une vie, hein. C'est normal. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, voilà, que t'aies un petit peu de temps libre et que tu viennes nous voir. C'est super sympa de ta part. Merci. Bon, et comment va notre bon Jida? J'espère que tu vas bien. Je suis choqué. Je suis choqué. On vient d'apprendre que le paladin est un synthétique. C'est ouf. Alors, on va aller parler au connectable. Ah, je suis choqué. Oh merde. Si j'arrive encore en retard au rassemblement, le capitaine Kells va me faire faire sans pompe. Ouais, ça va, te plains pas, sans pompe, c'est pas grand chose. T'as pas commencé à chouiner pour un oui, pour un non, quoi. C'est vous, le nouveau chevalier dont on m'a parlé. C'est un plaisir de vous avoir dans votre camp. Oui, bon, bah, calme-toi, chérie. Je sais que je déborde littéralement de charisme. Mais il faut peut-être pas exagérer non plus. Calme-toi. Il est où? Il est à l'étage, machin, là? Il doit être à l'étage, sûrement. Les mecs, il faut vous détendre. Hein. Il faut vraiment vous détendre. Vous êtes un peu énervés. Allez, il doit être par là. Voilà. À propos de Dance, je ne veux pas en parler, je ne veux pas d'excuses, il nous manquera. Qu'est-ce que vous savez de la situation? Pendant que je déchiffrais les données que vous avez récupérées à l'Institut... J'ai pas envie de le tuer, moi. Il semble que l'Institut tienne des registres... Moi, je le savais, dit Rio. Mais je me doute bien. ...consigne notamment ceux qui ont disparu. En étudiant cette liste, je suis tombé sur une image de Dance, qui portait la mention M797. Après une rapide comparaison d'ADN avec nos propres registres, tout est devenu clair. J'imagine que c'est un gros choc pour vous, chevalier. Et j'en suis désolé. Je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas en parler, il nous manquera. Je ne veux pas en parler. Je comprends. Bien, alors, votre mission, j'ai épluché les rapports de mission de Dance. Oh, je suis dégoûté. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune information concrète. Comme vous le savez, Dance possède une connaissance approfondie du Commonwealth. Ce qui veut dire qu'il aurait pu se réfugier n'importe où. Notre meilleure approche, à mon sens, consiste à identifier tous les endroits où il s'est rendu et à les rayer de la liste des possibilités l'un après l'autre. Mettez-vous à l'aise. Ça pourrait prendre un certain... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dance? Un synthétique? Je comprends que vous puissiez douter de la véritable identité de Dance, Scribe. Mais je peux vous assurer que mes découvertes sont parfaitement exactes. Alors lui, il tend un piège à Dance et vous l'éliminez, c'est ça? Qui vous en a parlé? Pas le temps, j'aime pas votre ton. Les ordres sont les ordres. Alors, hop. Moi, j'ai rien contre eux. Personne. Et je vous avoue que... Être obligé de devoir dessouder Dance, ça ne... J'ai pas envie, moi. Capable de lui tourner
vous adressez à un officier supérieur, vous allez immédiatement lui témoigner le respect dû à son rang, sans quoi je serai obligé de vous sanctionner pour insubordination. À moins que vous ayez de nouvelles informations qui puissent nous aider. Par contre, le scribe. Je vais retourner immédiatement au commissariat. Certainement. Je trouve pas qu'elle ressemble à une humaine. Je crois avoir des informations en rapport avec notre chasse à l'homme. Très bien. Comptez-vous. Alors que lui, voilà, il. Il a l'air plus humain. La scribe a fait. Si vous voulez bien m'accompagner sur le pont d'envol, j'aimerais vous montrer les informations que j'ai réunies. J'ai enregistré ces données sur l'ordinateur de bord de mon verticaire. Alors. Changer d'avis, tout aide est bon à prendre, agacement, retrouver Dance. On a changé son fusil d'épaule, Hélène. Je ne fais que suivre les ordres. Allez-y, chevalier. Je vais continuer mes recherches ici. Si vous voulez bien me suivre. J'aime pas trop comment c'est en train de partir en cacahuète, là. Tiens. J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ils sont en parfait état. Voilà, on va lui faire fermer un peu sa gueule à lui. Hein. Voici les capsules promises. C'est pour des bouts de papier. C'est une source quasi infinie de documentation technique. Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de. Oui, c'est bon. Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises. Eh, c'est bon. Allez, hop. Allez, je te suis, moi. Allez. J'aime pas ça. Franchement, si j'ai l'occasion de pouvoir lui laisser la vie sauf, je le fais. Comme un mardi soir, nous dit Dandine. Allez, barrez-vous. Ok. Pff, bah, va dire ça à l'écorcheur qu'on a poutré. Ça se trouve, il y a des infiltrés synthétiques partout dans l'Alliance. Ah, ça me ferait énormément rire. Scribe Hélène, vous comptez vraiment tuer le paladin Dance ? Refuge de Dance, je n'ai rien décidé, je suis des ordres. Question délicate. Je n'ai pas encore pris de décision. Avant de vous décider, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Je connais le paladin Dance depuis mes débuts dans la confrérie en tant que conscrit. Il m'a formé, il m'a montré toutes les ficelles du métier. Et il m'a appris à surmonter mes échecs et à aller de l'avant. Il a gagné mon admiration, mon respect et mon amitié. Je me fiche de ce que dit le rapport de Quinlan. Et je me fiche qu'il soit une machine ou pas. C'est toujours Dance. Alors, pourquoi me raconter ça? Bah parce qu'elle est amoureuse. Vous pactisez avec un traître. Déclaration audacieuse, impatient. Désobéir aux ordres, je ne sais pas quoi penser, je ne promets rien, je l'écouterai. Évidemment qu'on va l'écouter. D'accord, j'écouterai ce qu'il a à dire. C'est tout ce que je vous demande. Je vais simplement croire que vous prendrez la bonne décision le moment venu, avant l'arrivée. Ah, par contre, ça picole pas mal hein, sur la rafio. Hein. Vous avez vu toutes les bouteilles là ? C'est la station des coups de Bravo, un vieil avant-poste militaire d'avant-guerre, à la frontière nord du Commonwealth. C'est un endroit isolé et on est les seuls à connaître son existence. Donc, il y a de grandes chances qu'il se rende là-bas. Faites attention, cela dit. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est en ce moment, s'il vous fait même confiance. Ok. Rendez-vous au poste d'écoute. Bravo. Ça m'embête beaucoup, mais comme vous avez pu l'entendre, le discours du scribe, elle décrit donc un synthétique avec toutes les qualités d'un être humain
Et même, je dirais, même, j'irais plus loin que ça, avec toutes les qualités d'une bonne personne. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on est un synthétique qu'on ne peut pas être une bonne personne. Et ce synthétique, donc, pour le coup, donc, le paladin Dance, qui a déjà prouvé maintes et maintes fois à la confrérie de l'acier qu'il était capable de tuer des synthétiques, hein. C'est ce qu'il a fait, et pas que. Il aura rendu service, il est devenu paladin grâce à ses actes au sein de la confrérie, hein, de l'acier. Donc le mec est carré, le mec fait les trucs, mais il se rend compte que c'est un synthétique, donc forcément c'est un traître. Moi je pars absolument pas sur ce type de d'analyse là, c'est pas parce que c'est un synthétique que le gars forcément doit le buter, mais eux en fait ils sont bornés, comme avec l'institut pour eux, il faut plus d'êtres humains, il faut que des synthétiques. Allô les gars, il y a un juste milieu quand même, donc c'est pas tout ou rien. Donc pour ma part, vous avez déjà ma version, je ne tuerai pas le paladin, moi je veux pas le tuer, donc j'ai pas envie de le zigouiller. Oh, ça je prends. Allez, toutou, viens, on y va. On va retrouver Dance Dance. Hop, où tu vas, toutou? C'est pas par là. Oh, toutou, je viens de lui mettre une quenelle, là. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Quel serait le choix que vous prendriez? Est-ce que vous livreriez Dance à la confrérie de l'acier? Salut Adeline, Endgame, bonsoir à tous. J'ai beaucoup apprécié la rediff que j'ai pu regarder sur Terminator, puisque j'avais fait une petite vidéo découverte sur Robocop. Et en ce moment, c'est la grande mode de reprendre des jeux issus des films des années 80, des films des années 90. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'Adeline sur Terminator, bah, je vous invite à aller la voir, parce que c'est vraiment très très cool. Donc sois la bienvenue. Merci à toi d'être présente sur ce petit live. Et voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment très très cool. Bon choix, moi aussi je l'aime bien, malgré que j'aime pas le CDA. Alors attention, je suis rentré dans la confrérie de l'acier, pas parce que je suis d'accord avec leurs idéaux. Je suis rentré dans la confrérie de l'acier afin de pouvoir aussi profiter d'une certaine technologie. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux. Adeline, Own Game, coucou! Salut Rio, salut Seiba, salut Ika, salut évidemment, sois là, bienvenue. Bon bah toutou, j'espère que tu voles. Parce que nous. Alors attends. On va regarder la carte. Hop. Ok. Poste d'écoute, bravo, on n'y a pas encore été. On va aller là. J'aurais pu sauter, mais bon, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu sauter du vaisseau, mais bon, faut arrêter de sauter du vaisseau, hein. Faut arrêter, enfin voyons. Ça, vous m'avez donné des mauvaises habitudes, hein. À partir du moment où on m'avait dit, c'est bon Ika, tu peux sauter du toit d'un immeuble ou d'une tour avec le robot, ça passe, ça va juste faire un gros boom, mais ça passe. Sagittaire, hello Ika, salut à tous, salut Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Voilà, on vient d'apprendre que le paladin Dance est un synthétique. Et c'est un synthétique. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on applaudit. On vient de battre, là, tout de suite maintenant, le record de spectateurs sur le live. Bravo, bravo à vous. Voilà, j'applaudis clairement. Donc, j'en profite, hein, je fais même ça, comme ça. Je fais ça, hop, je fais ça. Je fais un grand merci à vous, voilà. Nous sommes le 30 janvier et on vient de battre l'un des premiers records de cette année. Donc ça fait plaisir et c'est grâce à vous. J'en profite, je vous remontre évidemment. Voilà, on en profite. Hop. Le rêve de Maxence et le rêve de Tage qui ont été réalisés grâce aux dons récoltés lors du GameStream Heroes 2023. Grâce à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien,
grâce à votre générosité, à votre participation, vous êtes l'un des maillons de cette chaîne de la solidarité qui a fait que les rêves de ces enfants ont pu être réalisés. Donc un grand merci à vous toutes, à vous tous, je le rappelle, à tous ceux qui ont donné lors de l'événement, que ce soit avant ou après, afin d'aider aussi le Comité Event à faire des dons au Comité Event, parce que oui, vous pouvez faire des dons au Comité Event si vous le souhaitez. Donc le Comité Event, c'est notre association qui a pour but hein, d'organiser le Game Stream Heroes, une association à but non lucratif d'utilité publique qui est composée uniquement de bénévoles. Donc voilà, on les remercie toutes et tous, nos partenaires évidemment, toutes les personnes qui ont œuvré à cette belle cause. Oui, j'avais pris le t-shirt. Ah, voilà, impeccable, impeccable. C'est parfait. Un grand merci, évidemment, à toi. Et comme je le disais, on va ouvrir un Discord communautaire. Et j'inviterai toutes les personnes qui ont envie de partager des photos avec, par exemple, leur t-shirt ou leur petit souvenir du Game Stream Heroes. Eh bien, allez poster dessus. Donc, ce Discord ouvrira prochainement ses portes. Mais je voulais eh bien, vous remercier parce que tout ça, ça ne peut pas arriver sans vous, et honnêtement, voilà, vous êtes vraiment incroyable, vous êtes vraiment incroyable, parce que chaque année, vous êtes là, vous venez, vous nous encouragez, et vous faites des dons pour ces enfants qui en ont besoin, et ça, c'est une très très belle récompense, voilà, bah, comme je le disais, et je viendrai sur le Discord avec plaisir, on dit. Il faut savoir aussi que, vous voyez, c'est pas, on n'est pas forcément... voilà, moi, je me considère comme un tout petit YouTuber de rien du tout. Mais vous voyez, c'est pas parce que on n'a pas une grosse influence, qu'on n'a pas des centaines de milliers d'abonnés, bah, qu'on ne peut pas faire des trucs cool. Voilà. Donc, je vous invite à continuer, à persévérer dans ce que vous faites. Battez-vous pour vos opinions, battez-vous pour vos rêves. Et voilà. Et comme ça, eh bien, vous pouvez tout simplement kiffer et faire kiffer les autres et vous dire que eh bien, vous avez servi à quelque chose. Vous avez été le maillon en fait, de cette chaîne de solidarité et que à votre échelle, vous avez apporté quelque chose à des gens qui en avaient besoin. Voilà. Allez, on se remet sur ce petit live. Un sacré enfant. Ah bah oui. Ah bah attendez, vous n'avez pas vu Raphaël. Raphaël, il fait deux têtes de plus que moi quand même. Hein. C'est le petit prince donc, qui est venu nous voir cette année et qui sera là, donc, enfin qui est venu en 2023, et qui sera là, donc qui sera notre invité d'honneur pour ce Game Stream Heroes 2024, et il streamera avec tous les streamers. Où est-ce que j'ai atterri là? Ah oui, c'est vrai, je suis... d'accord. Allez, hop, on y va. On n'a pas le temps, monsieur l'homme. On n'est pas là pour épiler des chenilles, comme dirait Musti. Allez, hop. On a le paladin d'Enzens qui est caché dans une caravane. Ah non, c'est peut-être pas une caravane. Quoi? Canigou? Il est où, Canigou? Oh, pépère! Ah. Comment ça, t'as trouvé un ennemi? Allez, va, mon pépère, va! Calme-toi, toi, calme-toi. Non, mais oh, 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 s'il vous plaît, quoi. What the... Pfff. Ça va, t'es calmé là? Bien gardé l'endroit. Toutou, ne te précipite pas comme ça. Attends papa. Hop! Toc toc. Allez, on y va. Il va falloir faire gaffe. Hein. Allez, on va déverrouiller ça.
Alors, alors voyons voir. C'est grâce à moi les sons invincibles avec leur avion assisté. Ah bah oui, c'est Sagittaire qui nous a poussé au vice. C'est de sa faute, clairement. Hein, tu peux plaider coupable. De toute façon, j'accuse Sagittaire de nous avoir forcé la main. J'accuse. T'accuse. Il nous a dit, saute, tu vas voir, c'est trop cool. Et c'est vrai, et puis moi je suis un gamin, je suis un vrai gamin, vous le savez, il m'en faut peu, il m'en faut peu. Faux Sagittaire, déjà, dit tous les... Bah oui. Faut le faire pour le plaisir en priorité. Ah bah oui. Oui, un beau geste. Je préfère donner un don pour des enfants malades que des conneries, comme on veut, quand on veut, on peut le faire. C'est vrai, Ondine, tu as raison. Si, si, c'est grâce à moi les sauts invincibles avec l'armure assistée dans la mission de la confrérie de l'acier où il fallait rejoindre l'hélicoptère, c'est vrai. C'est tellement vrai. J'avais dit pendant la mission avec Strong. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est même plutôt, encore plus tôt que ça. C'est pas encore plus tôt que ça. Merci, oh, bon, merci à toi, merci à toi. Vous savez, hein, dès qu'il y a une idée à la con, un truc drôle à faire, je suis le premier à y aller. Je suis le premier à y aller. Alors. Cartouche au plasma. Ok. Ah, il n'y a pas de quoi se la raconter. C'est ça ce qu'il y avait dans ton meuble là, que tu enfermes tel un trésor. Bah, il n'y a pas de quoi se la raconter. Hein. Ok. Un bureau. Tac. Des dossiers. Quoi, quoi? Ok. Ça, c'est pété. Je sais pas dans comment on va s'aventurer là. Alors, alimentation de l'ascenseur. Ok, dérive du courant, d'accord. Ok. Bon, j'espère que le paladin Dance, il va être... Voilà, il va être tranquille. Hein. J'espère que... Bon, pas enlève total, bah c'est vrai. Alors attends, là je lis un message qui est très intéressant de la part de Ondine. Quand tu vois le nombre de youtubeurs qui entubent sur leur chaîne, je suis en mode gris. Des gens donnent pour des conneries que des choses sérieuses comme l'association Petit Prince. Alors je dirais tout simplement que on peut pas. Enfin, c'est difficile de juger les gens parce que on peut pas non plus leur imposer les choses. On peut pas leur dire, bah voilà, vaut mieux que tu donnes à une association que, par exemple, t'ailles voir ton streamer préféré ou ta streameuse préférée et que tu lâches 1, 2, 3, 4, 5, 10 subs si t'as envie de lâcher 10 subs. On peut pas vraiment juger les gens. Après, le truc, c'est que effectivement, il y en a ce que je trouve regrettable, en fait, c'est que il y a certains streameuses et certains streamers, connus, moins connus ou pas connus, hein, qui malheureusement utilisent cette, cette technique, je trouve, un peu sournoise. C'est, bah, si tu veux parler, si tu veux, par exemple, pouvoir écrire dans leur chat, bah, il faut se sub à la chaîne. Bon, déjà, je trouve ça moyen. Et si, une fois que c'est fait, que tu t'es sub à la chaîne, donc tu peux écrire dans le chat quand le streameuse ou la streamer est en live. Mais il ne va pas lire forcément tes messages. Il ne va lire que les messages qui sont mis en avant. Et pour ça, il faut payer. Ça c'est lamentable par contre. Genre un certain Julien et une certaine Carole, non? Oh, la balle perdue, Sagittaire. Bah oui, forcément, forcément. Bah oui. Salut Brahms, j'espère que tu vas bien. Alors, tu sais, je vais sur des lives paranormales, je vois ce que je vois. Bah, surtout,
J'ai fait partie de cette communauté il y a quelques temps déjà. Je parlais énormément avec des enquêteurs du paranormal français, des gens sérieux, des gens sérieux. Et j'ai pu voir émerger des gens. Je ne donnerai pas de nom. Clairement, je ne donnerai pas de nom. Mais j'ai vu des gens, ce que j'appelle des parasites. Vraiment, mais vraiment, je pourrais faire des vidéos sur ce mec-là, mais c'est pas dans ma nature. Mais en fait, ce serait plus pour faire de la prévention, parce que cette personne est littéralement, et j'assume mes propos, littéralement un menteur et un escroc. Vraiment, vraiment. Il fait payer des gens. Il se fait rincer la gueule alors que le mec fait de la merde. Et ça, c'est honteux de laisser faire des gens comme ça. Et dans le monde du paranormal, il y a des gens très bien, il y a des gens sincères. Il y a des gens qui malheureusement se sont fait avoir. C'est pas faute de les avoir prévenus. C'est pas faute de les avoir prévenus. Mais quand les gens, je leur dis: attention, méfie-toi aux collaborations, avec qui tu fais, machin, nan, nan, ça va se retourner contre toi. Mais non, non, j'ai confiance en lui, machin, gna 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 gna, et qui se sont pris une quenelle, mais jusque-là. Et après, ils viennent te voir en disant: ouais, bah, si j'avais su, j'aurais suivi ton conseil, je t'aurais écouté, maintenant c'est trop tard. Bah oui. Tu m'as envoyé bouler comme un, voilà, comme une merde, en me disant: non, gna, 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 tu te fais des films, gna, 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 c'est toi qui psychotes. Voilà. Monsieur Stringver en enquête. Ah, oh non, mais lui, tout le monde sait que c'est de la merde, ce qu'il fait, Ondine. Tout le monde le sait, c'est pas nouveau, ça. Le grand JD, mais non, bah non, bah non. Non, non. Non, non, c'est pas quelqu'un de très connu. C'est pas quelqu'un de très connu. Il est connu plus ou moins, justement, pour ses frasques dans le milieu du paranormal. Voilà, je donne juste un indice, c'est dans le nord. Voilà, c'est dans le nord. Il y a des enquêteurs honnêtes, mais très très peu, oui, clairement. Mais de toute façon, Ondine, on va pas se mentir, une chaîne de paranormal, si elle veut perdurer dans le temps, si elle veut attirer un petit peu une commu, des spectatrices, des spectateurs, faire de l'audimat, tu es obligé, attention, attention, hein, tu es obligé, quand tu fais ton montage, de mettre des effets un peu à sensation, voilà, de jouer en fait sur la subtilité du truc, même s'il n'y a rien. Pas de franchir la frontière du fake, mais d'édulcorer un petit peu tes lives, d'ambiancer un petit peu tes lives pour faire croire que, par exemple, tu fais ton trailer, machin, ouais, oh là là, à ce moment-là, oh, tu vois, tu fais un plan caméra, oh, il se passe un truc, machin, mais tu te dis pas. Et en fait, ça se trouve, dans le live, bah, il se passe un truc, bah non, en fait, c'est juste un animal que j'ai entendu, non, en fait, c'est ci, c'est ça. Voilà. Regardez, regardez, c'est tout con, hein. Salut mon Max, j'espère que tu vas bien. Projet 51, non plus. Non, je donnerai pas de nom, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne veux pas donner de nom, je ne veux pas rentrer dans ce vice-là, mais je le ferai pas. Les gens sont en demande de mensonges sur le para. Bah ouais. Les gens aiment se faire peur, aiment en fait, aiment frissonner. Les gens vont préférer regarder des émissions comme Ghost Adventure, je sais pas moi, comme Taps à l'époque. Hein, moi aussi j'ai été crédule, hein, quand j'ai vu les premiers Taps, j'ai fait: oh, trop bien, machin, nanana. Mais en fait, c'est du fake. Et voilà. Comment tu veux vendre? Comment tu veux perdurer pendant plus de 20 ans? Si tu. Voilà. Les gens vont regarder. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais les gens vont regarder. Oui. Oui, Andine. T'as tout compris. Je pense que tu sais à qui je fais allusion. Et ce qu'il y a, c'est que les gens ont envie de sensationnel, ont envie de se faire peur, ont envie de frissonner. Donc ils vont aller regarder un Ghost Adventures avec Zach Bagans et toute son équipe, machin, nan, nan, où c'est du divertissement.
C'est du divertissement. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est écrit, c'est scripté, c'est joué, machin, c'est surjoué. Il n'y a rien de vrai. Non, 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 pas Jordan. Jordan, il a payé très cher sa connerie, lui. Mais les gens, voilà, vont préférer voir du divertissement. Regardez un exemple tout con, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gus DX. La qualité de ses émissions, de ses vidéos, de ses lives, de ses montages, tout est ultra quali. Le mec est au top du top. Ah si, je vais continuer encore un petit peu, Brams, évidemment. C'est que là, on faisait une petite interlude rapidement. Et c'est vrai que quand vous regardez Gus DX, la courbe, en fait, de ses émissions, avant d'apprendre qu'il avait fake un épisode, c'était la tour, je sais plus quoi, la tour Moncave, un truc comme ça. C'était comme ça, comme ça. Et le jour où il a fake... Alors, il a fait son mea culpa, machin, ceci, cela, ok. Très bien. Il a continué à faire des émissions. Alors, ces émissions qu'il fait même actuellement sont très intéressantes. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux pas mentir sur un truc. C'est pas possible. Voilà. Bon, mais il fait une parenthèse. Voilà. Mais la parenthèse est finie. Clairement. Bah après, c'est voilà, moi je vous donne mon avis parce que j'ai fait partie de cet univers-là. J'étais modérateur pour plusieurs youtubeurs du paranormal. Et voilà, et on en a beaucoup parlé. Et la tour Moncade, voilà, merci on dit. Et j'ai jamais été une langue de bois avec eux par rapport à ça. Clairement, clairement. Pour moi, c'est hyper important d'être authentique. Il n'y a rien, il n'y a rien. Point, c'est tout. Des fois, ils te montrent des trucs, mais même moi, avec un logiciel vidéo, je suis capable de vous faire un putain de fake. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Je viens d'arriver, donc je monte, oui. Eh bien, pour te donner une petite trame, hein, eh bien, on est sur les missions donc, de la confrérie de l'acier, Bram. Et là, on a découvert que le paladin Dance était un synthétique. Alors, j'espère qu'il a pas mis le robot en mode... Ah bah voilà. Wow. Hey, il y a un moment, il faut te détendre, mon lapin. Mais ce gun, il est incroyable. Ah, attends. Ah, j'ai cru qu'il était tout nu. Tout nu dans l'escalier. Oh, tout, attends. Attends, voilà. Ça va? Comment ça va, mon pépère? Ça va, mon pépère? Alors, ça va mieux? Hein? Oh, oui, mon ton pupille. C'est bien. T'as un beau toutou. Qu'est-ce que ça fait, ton nounours? Tu l'as déjà niqué ou comment ça se passe? Alors, hop. Il était quand même bien entouré, hein, le paladin Dance, là. Mais si un jour vous voulez qu'on fasse une émission, un live chill, spécial paranormal, pas de problème. Pas de problème. Je peux même vous proposer un truc assez marrant. C'est que, alors, sans langue de bois, rien du tout. Hein. On prend des vidéos et on fait des reacts. Et on les fait ensemble. Et je peux vous garantir que il y a plein de choses plus que douteuses. Je ne jugerai pas les gens, je ne prendrai pas parti, mais je vous dirai uniquement en fait ce que j'en pense, tout simplement. Vous pouvez même me faire une liste et me dire voilà, il y a telle vidéo, tel machin, tel truc et tout, voilà. Si c'est une soirée qui peut vous plaire, pas de problème, on y va. Pas de problème. Ça sera avec un grand plaisir. Alors, comment on fait pour rentrer dans son bordel, là? Faut défoncer la porte ou comment ça se passe? Oh, Dance! Copain! Et copain! Oulo! Je préfère quand même, hein? C'est jamais. Lumière, Arthur. Arthur, lumière. Si dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce qu'il y a, Toutou? Bon. Salut. Ah, c'est vous. Ça ne m'étonne pas. Oh. Maxton n'a jamais aimé se salir les mains. Alors, pourquoi ne rien m'avoir dit? Je ne comprends pas, vous êtes un traître. Vous auriez dû me le dire. Alors. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Dance? Parce que je l'ignorais. Jusqu'à ce que Quinlan déchiffre cette liste. Pour moi, les synthétiques étaient les niables. Jamais je ne serais attendu à en être. Dire que sans Hélène, nous n'aurions pas cette conversation. Alors, quels sont vos ordres? Maxson peut me capturer vivant. Alors déjà, sans le scribe ou pas, on aurait eu cette conversation. Je vais pas arriver de mettre un pied bouche et te dire Non. Alors, ignorance de votre identité, je ne sais pas, les synthétiques sont les ennemis, une solution. Non, mais j'aimerais trouver une autre solution. Ne soyez pas hérétique. Écoutez, je sais que ça ne doit pas être facile. J'aurais préféré que Maxson envoie quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne change rien. Je suis un synthétique. Il signifie qu'il faut me détruire. Si vous désobéissez aux ordres, vous trahissez non seulement Maxson, mais aussi la confrérie et tout ce qu'elle représente. Il est impossible de faire confiance aux synthétiques. Les machines ne sont pas faites pour prendre leurs propres décisions. Elles doivent être contrôlées. C'est la technologie devenue incontrôlable qui a mis ce monde à genoux et conduit l'humanité au bord de l'extinction. Bah, la preuve que non, t'en es la preuve vivante, quoi. Pourquoi avoir fui? Je ne sais pas trop. Vous êtes une machine, vous êtes humain. Je suis un soldat. C'est mon instinct de survie, sans doute. J'avais besoin de me recentrer et d'évaluer la situation. En arrivant ici, j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai réalisé que ma fuite n'avait fait qu'empirer la situation. J'aurais dû rester à bord du Bridwell et accepter l'inévitable. Comme je l'ai dit, je dois être un exemple, pas une exception. Alors, pourquoi pas en live sur le para? Sans moi, j'y crois pas du tout. Bah écoute, Rio, c'est pas en fait une question d'y croire ou pas d'y croire. En fait, ce serait un live où je vous demande pas ça. C'est juste en fait faire une vidéo réac, enfin faire un petit live avec des vidéos qu'on regarde et faire des réacs dessus sur ce que ça peut potentiellement proposer, quoi. Mais après, c'est pas quelque chose sur lequel je crois pas ou je. C'est pas je crois ou je crois pas. C'est en fait ce qui me dérange, c'est les gens en fait qui profitent de la crédulité des gens. C'est ça, moi, qui me dérange. Tu devrais, c'est très intéressant, nous dit Ondine. Bonne soirée, Adeline. Merci, Adeline, d'être passée. Je vous laisse. C'était un plaisir de passer. Bon stream et bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt, Adeline. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Adeline et aller l'encourager. Non, Ondine, elle n'insiste pas, s'il te plaît. Ah, bisous, Adeline. Adeline en game, douce nuit et des bisous. Bonne nuit. Bonne nuit, Adeline. Bah oui. Allez, du coup, pour moi, je dirais. Ces sentiments dont vous faites preuve, ce sont des émotions humaines. Merci. Bah oui. Mais j'ai pris ma décision. Je suis prêt à accepter les conséquences de ma véritable identité. Maxson vous a ordonné de m'exécuter. Et il n'est pas question que je résiste. Accepter d'exécuter Dance, refuser d'exécuter Dance. Mais il doit y avoir une autre solution. Il n'y a pas d'autre façon de régler ça. Nous savons tous les deux que c'est la meilleure chose à faire. Si vous refusez d'exécuter les ordres de Maxson, vous trahissez tout ce que représente la confrérie. Et je ne veux à aucun prix qu'une telle chose arrive par ma faute. Bah, moi je refuse. Mais sois pas teubé! Solution des lâches, perdre un ami, Maxson. Attends, déjà pour commencer, c'est. J'ai déjà perdu ma famille. J'ai pas envie de perdre un ami. C'est vrai. Comment ai-je pu? Je dois tenir compte des conséquences de ma mort sur les gens qui tiennent à moi. Comme vous et Hélène. Maintenant que vous m'avez ouvert les yeux, je vais peut-être pouvoir réfléchir à ce que je dois faire. Alors, et maintenant, ma mission.
je vous tiens. Je vous soutiens. Quel est le plan maintenant? Vous devez poursuivre la lutte contre l'Institut. Moi, je dois suivre ma propre route. Je n'ai pas le choix. Il faut que je quitte le Commonwealth. Plus tôt j'aurais passé la frontière, et plus vite j'en aurais fini avec ce cauchemar. Prenez mes holoplaques. Servez-vous-en pour prouver la réussite de votre mission. Sinon, Maxon enverra quelqu'un d'autre me traquer. Bon, allez. Partons d'ici. On a menti! On a menti à la confrérie de l'acier! Quand l'autre, il va l'apprendre, il va pas être content! Il va pas être content, il va faire « Oui, t'as menti, t'as pas tué Dance. Mais moi, il est hors de question que je tue des gens sous prétexte que les autres pensent en fait que c'est la seule solution. Il y a toujours une solution. Et Dance l'a prouvé plusieurs fois. C'est une bonne personne. À moins qu'il y ait un twist et que ce soit un manipulateur et que ce soit un enfoiré et qu'il nous la mette à l'envers, là, je serais carrément dégoûté. Parce que ça veut dire que je suis crédule à souhait. Mais pour moi, concrètement, il n'y a pas de raison de le tuer. Il a un comportement qui est similaire à celui d'un être humain. Et je vois pas l'intérêt en fait de le dessouder. Vraiment. Je n'y vois aucun intérêt. Bah non, je suis teubé, c'est de là d'où on vient. Enfin Ikea quoi, arrête d'être con. Hop. Allez. Ciao Pepito. Buenos dias les faritas. Allez hop. Allez toutou. Allez hop. Ah, on a oublié ça. Bon bah toutou, hein, tu viendras quand même. Allez, hop là. Alors Ika, on n'entend pas trop bien le son du jeu, je trouve. Ah ouais, bah pas de problème, je peux le remonter un petit peu. Attendez, regardez, hop. Option, audio. Voilà. On va mettre un petit peu comme ça. Et puis des voix comme ça, voilà. Voilà, n'hésite pas à me dire si ça te convient. Si c'est mieux pour vous. Voilà, on a fait une petite sauvegarde. Ah, oh, pépère, hein? Oh, toutou, là. Rez-de-chaussée. Oula, qu'est-ce qui se passe dehors, là? Comment osez-vous trahir la confrérie? Elle n'y est pour rien. C'est ma faute. Je m'occuperai de vous dans un instant. Chevalier, pourquoi cette chose n'a pas été détruite? Alors déjà, je me mets devant. Comment vous avez fait pour me retrouver? C'est pas une chose, ordre absurde, vous vous trompez. Allez. Comment vous nous avez retrouvés? Quand je vous ai ordonné d'exécuter cette machine, je me suis dit que vous risquiez d'avoir des difficultés à suivre mes ordres. Maintenant que je suis là... Putain, ça se trouve, c'est un synthétique, lui. Que vous a-t-il dit pour que vous trahissiez la confrérie? Pourquoi est-il toujours en vie? C'est tellement silencieux qu'on n'entendrait même pas une mouche péter. Attention, le troll ondine. T'as une claque. Alors, ordre absurde, vous vous trompez. S'il est encore en vie, c'est parce que vous vous trompez sur son compte. Quoi? Dance n'est pas un homme. C'est une machine. Un automate créé par l'Institut. Il n'est pas né du ventre d'une mère aimante. Il a grandi dans les salles glacées d'un laboratoire. La chair est la chair. Une machine est une machine. Elles n'ont jamais été faites pour être confondues. En se prenant pour Dieu, l'Institut a pris le caractère sacré de la vie humaine et l'a corrompu de manière éhontée. Après tout ce que j'ai fait pour la confrérie, tout le sang versé en notre nom, comment pouvez-vous tenir un tel discours? Vous êtes l'incarnation physique de ce que nous haïssons le plus. La technologie qui est allée trop loin. Regardez autour de vous, Dance. Regardez la Terre brûlée. Et les eaux qui jonchent les terres désolées, des millions de gens, peut-être même des milliards, ont péri parce que l'homme a perdu le contrôle de la science. Ils voyaient ça comme une nouvelle frontière, une révolution, sans jamais penser aux conséquences. Vous ne comprenez pas que c'est la même chose qui recommence? Vous n'êtes qu'une bombe dans un arsenal qui en compte des milliers et qui s'apprête à décimer ce qui reste de l'humanité. Sérieusement?
Même idéo, c'est n'importe quoi. Sauver l'humanité. Vous comparez Dance à une bombe nucléaire ? Cette machine n'est peut-être pas une bombe, mais son objectif est exactement le même. Il suffit de la mettre là où on veut faire des dégâts. Quand vous vous y attendez le moins, elle vous porte un coup fatal sans avertissement et sans pitié. Un coup d'une précision chirurgicale au cœur même de l'ennemi. Comment pouvez-vous faire confiance à une machine qui se croit vivante ? Une machine dont les souvenirs ont été effacés, dont les pensées ont été programmées, dont l'âme même a été fabriquée. Les idéaux qu'il prétend défendre ne sont même pas les siens. Ils lui ont été inculqués artificiellement pour qu'ils se fondent dans le décor. C'est vrai. J'ai été conçu dans un laboratoire, et certains de mes souvenirs ne m'appartiennent pas. Mais chaque fois que j'ai vu mes frères mourir à mes pieds, j'ai ressenti du chagrin. Chaque fois que j'ai vaincu un ennemi de la confrérie, j'ai ressenti de la fierté. Et quand j'ai entendu votre discours sur le salut du Commonwealth, j'ai ressenti de l'espoir. Vous ne comprenez pas ? Je pensais que j'étais humain, Arthur. Depuis que je suis entré dans la confrérie, je n'ai rien fait pour trahir votre confiance. Et je ne le ferai jamais. C'est trop tard. L'Institut a choisi de vous donner vie alors que vous ne devriez même pas exister. Je n'ai pas l'intention d'en discuter davantage. Je ne reviendrai pas sur mes ordres. Ce n'est rien. Nous avons fait de notre mieux. Vous m'avez convaincu que j'avais tort d'avoir honte de ma véritable identité. Et je vous en remercie. Quelle que soit votre décision, sachez que je mourrai sans colère ni regret. Très touchant. Écoutez, chevalier. Soit vous exécutez Dance, soit c'est moi qui m'en charge. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver ? Exécutez-le vous-même. Je vais l'exécuter, écoutez-moi. Étant donné les circonstances, je veux bien passer l'éponge sur votre erreur du jugement. On ne peut pas vous reprocher d'avoir ignoré la véritable nature de Dance. Maintenant, décidez-vous ou c'est moi qui m'en charge. Oh là 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 là. Après tous les sacrifices que j'ai faits et tous les combats que j'ai menés pour la confrérie, vous allez m'écouter. Vous me devez au moins ça. Très bien, je vous écoute. Alors, changer d'avis, confiance et respect. Vous nous perdez tous les deux. Il a sauvé des vies. Humain ou pas, Dance a sauvé la vie d'innombrables soldats de la confrérie. Il est temps que vous sauviez la sienne. Vous êtes bien obstiné. Bien, il semble que nous soyons dans l'impasse. Épargner Dance traduit tout ce que la confrérie représente. Et pourtant, vous insistez pour qu'il ait la vie sauve. Vous ne me laissez pas le choix. Dance, en ce qui me concerne, vous êtes mort. Vous avez été traqué et tué par ce chevalier de la confrérie, et votre cadavre est débrouillé. À compter de ce jour, il vous est interdit de mettre un pied à bord de ou de parler aux membres de la confrérie de l'acier. Si vous outrepassez ses ordres, nous tirerons sans sommation. Est-ce bien clair ? Absolument. Merci d'avoir accepté de me croire, Arthur. Ne vous méprenez pas. La seule raison pour laquelle vous êtes encore... On a réussi. Bien. Chevalier, je retourne sur le prix d'Ouen. Prenez votre temps. Faites vos adieux. Je vous attends là-bas. Nous n'en avons pas encore terminé avec l'Institut. On a sauvé le paladin ! Yes ! Trop bien ! Trop trop bien ! Alors, voyons voir. Le volume du son général, un poil au-dessus, et plus de son voix, s'il te plaît. Et c'est perfect. D'accord. Ah, c'est parce que j'ai un peu reculé mon micro, mais pas de problème. On va faire ça. Donc, option. Voilà, on va faire audio. Alors, le son général, un petit poil plus fort. Voilà. Les voix, pareil. Tac. Un petit peu la musique aussi. Hop. Et hop, voilà. On a augmenté un petit peu tout. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Ah, je suis content, on a sauvé le paladin. On a réussi à convaincre notre général qui s'apprêtait à faire de la merde. Excusez-moi. Il en faut du cran pour tenir tête à Maxon. Bah évidemment, et on en a du cran. Alors, et maintenant, amitié, partez tant que vous pouvez, restez ici. Les amis prennent soin les uns des autres. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous avez bien raison. C'est pour ça que j'ai décidé de rester ici. Je n'avais pas prévu de passer le restant de mes jours dans ce vieil avant-poste.
Oui, mais du coup, le CDA, c'est foutu. C'est pas grave, Rio. Vous aurez sûrement mais bon, TNC vivant. Oui, c'est le plus important. Et il est hors de question que je vous laisse arpenter le Commonwealth sans moi. Bien. Vous devriez retourner sur le Prinwen. Ce sont des voix des persos, tu peux mettre à fond même, je pense. Ah ouais, c'est si bas que ça ? Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Alors, Hélène, du mal à tuer les synthétiques, venez avec moi, au revoir. Et Hélène ? Je ne pense pas que Maxson la soupçonne d'être impliquée. Elle ne devrait avoir aucun problème. Je vais la contacter et lui raconter ce qui s'est passé ici. C'est le moins que je puisse faire. Alors, on va faire un test, hein. Vous me direz ? Vous me direz, du coup ? Voilà. Voilà, hop. Voilà, vous me direz ce que ça donne. Alors, Est-ce que vous allez avoir du mal à tuer des synthétiques, maintenant ? Je suis peut-être un synthétique, mais j'appartiens corps et âme à la confrérie. L'Institut représente toujours une menace considérable pour le Commonwealth. Ces technologies doivent être confisquées ou détruites. Je vous promets de ne jamais hésiter à presser la détente si on en croise. Pff, le mec, mon gars, il est droit dans ses bottes, truc de ouf. Vous ne pouvez vraiment pas venir avec moi ? Vous avez entendu Maxson. Si on me voit sur le Prinwen, au commissariat ou à l'aéroport, non seulement je me ferai tuer, mais je porterai aussi atteinte à son autorité. Je refuse de faire ça. Mais si vous avez besoin de moi n'importe où ailleurs, n'hésitez pas. Au revoir, Dance. Au revoir. J'espère que notre prochaine rencontre se fera dans de meilleures circonstances. Mais oui, on ira boire une petite binouze, t'inquiète. Bon. Eh ben, on s'est pas trop mal débrouillé. Alors bon, apparemment... ça va être compliqué en ce qui concerne eh bien, la confrérie de l'acier, puisque on a ébréché la confiance qu'avait le à chaque fois j'oublie son nom à ce guignol là. Maxwell, qualité filtre. À Maxson, voilà. Et c'est un choix. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que ce que je trouve sympa dans le jeu, c'est que vous êtes amené à faire des choix. Bon, vous l'avez compris, des factions, entre guillemets, qu'on nous propose d'intégrer, à part finalement les miliciens qui sont neutres, et qui vont aider n'importe qui dans le besoin, à partir du moment où évidemment ces gens-là vont vouloir eux aussi aider à reconstruire quelque chose, en ayant aussi des idéaux qui sont quand même une base standard, c'est-à-dire aider les uns les autres, ceux qui sont dans le besoin, ne pas flinguer des gens à tire-larigot, parce que voilà, non. Du coup, j'ai peut-être dit une bêtise, le CDA, c'est peut-être pas foutu. À voir, mais on a pu voir déjà que je suis donc le général des miliciens. À côté de ça, je travaille avec eux. Je suis dans la confrérie de l'acier, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans celle de l'Institut. Parce que leur valeur, c'est non. Tu ne peux pas remplacer l'intégralité des êtres humains par des synthétiques, parce que le synthétique est au-dessus de l'être humain, parce que ses capacités font que il lui est supérieur, machin. Ça vous rappelle rien, ça ? Moi, ça me rappelle un truc d'un petit moustachu énervé. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais ça me rappelle ça. Alors, même si Sean est notre fils et qu'il est le directeur de l'Institut, je suis désolé, je ne suis absolument pas favorable à intégrer l'Institut et à défendre ses valeurs et ce qu'elles représentent. En contrepartie, il y a aussi donc le CDA, la confrérie de l'acier, qui sont un peu là-dedans, les CRS du Commonwealth. C'est on tape et on pose des questions après. Alors oui, ils sont pas fins. Alors oui, c'est des ouf. C'est un peu le mode Terminator. Non, pas Terminator. J'ai dit un petit moustachu énervé, Rio. Hein ? Un petit moustachu énervé.
tout le monde le connaît, celui-ci. Hein. Il est même prohibé sur YouTube et tout le tralala. Donc, non, forcément, quelqu'un qui veut remplacer l'humanité par quelque chose qui lui est supérieur, je pense que j'en ai dit assez quand même, hein, pour que tu... Voilà. Hein, ça commence par un A. Hein, son nom de famille, c'est avec un H. Si là, t'as toujours pas trouvé... Ne marque pas dans le chat, s'il te plaît. Voilà, là tu peux faire une ristourne, tu vois, comme notre ami Max Obléidoreux qui a compris, mais qui a fait une petite ritournelle pour éviter. Mais concrètement, oui, moi je vois donc Sean, qui est notre fils, à la tête de l'institut, je le vois comme ce mec-là. Clairement, ils sont complètement... voilà. Et je dis pas que le CDA sont... ils ont des valeurs, certes, mais ils sont non flexibles. T'inquiète, je viens d'arriver, j'ai compris. Salut Doclap, j'espère que tu vas bien. Oh, petite soirée où vous me régalez ce soir. On a battu le record de viewers. On était 16 viewers tout à l'heure. On est bien. En plus, voilà, vous avez découvert les rêves qui ont été réalisés enfin, les rêves réalisés grâce aux donations du Game Stream Heroes. Chut, mon petit chat, j'arrive bientôt. Et vous avez le bonjour de Nami. Et là, pour le coup, je suis rentré, moi, dans la confrérie de l'acier pour, entre guillemets, ça suffit un petit peu, toi. Alors, attendez, je vais faire un truc. Parce que sinon, on n'a pas fini avec elle. Et j'y suis allé pour le côté technologique. Mais on voit bien que c'est compliqué avec eux. C'est compliqué. Ils sont dans un mood où, en fait, ils ont une idée en tête et ils vont pas lâcher le truc. Ils vont pas lâcher le truc. Pour eux, les synthétiques, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre. Non. Tous les synthétiques, la preuve, c'est que le paladin Dance en est la preuve. C'est que tu peux être un synthétique, mais penser comme un être humain et avoir des convictions comme un être humain. Et pourtant, il en a tué plein des synthétiques, alors que lui-même en est un. Et ça ne lui fait pas changer d'avis. Ça ne le fait pas changer d'avis. Et oui, c'est le chaton, Didam, bah oui, le petit miaou. Donc on va aller voir ce qui va nous dire. Est-ce qu'on va être déchu de notre rang? On verra bien. De toute façon, j'accepte complètement mon sort. Au rapport, Enemaxan. Avant toute chose, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Ouh là là. La conversation est la dernière que nous aurons au sujet de Dance. Pour la confrérie, cet homme est mort. C'est compris? Alors, il lui arrivera rien, compris. Je ne comprends pas. La confrérie avant tout. Compris. Bien. Évidemment, la disparition de Dance laisse un vide dans notre commandement. Ce traître occupait un poste important dans la confrérie. Poste qui, à mon avis, vous conviendrait à merveille. Oh putain, on va être paladin. Ses possessions sont désormais à vous. Y compris son armure assistée personnelle. Félicitations, paladin. Armure assistée, c'est un honneur encore chaud. Je ne vous décevrai pas. On va aller brosser un peu dans le sens du poil parce que là, on est à deux doigts quand même de se faire botter le cul. Hein. C'est un honneur, Enemaxan. Vous l'avez mérité par vos actes. Gardez simplement à l'esprit qu'un paladin de la confrérie se doit d'être un exemple d'intégrité pour ses frères et ses sœurs. Je compte sur vous pour ne pas les décevoir ou me décevoir. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours combattre l'Institut et il nous reste beaucoup à faire avant de pouvoir lancer notre assaut final. Les réparations de Liberty Prime seront bientôt terminées, mais en attendant, le capitaine Kels a identifié une menace potentielle pour nos opérations. Allez le voir immédiatement pour qu'il vous donne votre prochaine mission. Ad Victoriam, paladin. On s'en est bien sorti, hein. On s'en est bien sorti. De clap le pape. De clap coucou. Non, ça rien dit. La faction la plus pure, c'est les miliciens, c'est vrai. Enfin, je dis pas que c'est la plus pure. C'est ceux qui sont le plus raisonnable, en fait.
C'est les plus raisonnables. Alors, on va aller voir un petit peu, du coup, ce qui nous attend. Ça va être en bas. Allez, hop. Oh, on va pouvoir récupérer l'armure de Dance. Oh là 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 là. Du coup, ça nous fait 3 T60. Et je vais pouvoir donc à même prendre... Oui, les quoi. Les contrôles de recherche sont un aspect crucial de nos opérations dans le Commonwealth. Les soldats qui n'ont pas été encore affectés à une patrouille de recherche doivent se présenter au connétable Quinlan sans perdre un instant. Le quartier du Priden, c'est quoi ça? On n'a jamais été là-dedans. Les miliciens défendent même les ghouls. Ben oui. Ils sont ouverts, en fait. Ils sont ouverts d'esprit. Puisque je vous rappelle hein, que également on a des amis qui sont, je vous le rappelle, des ghouls. Nick est un synthétique, mais je me rappelle plus le nom de cette ville où en fait bah vous allez trouver des ghouls et jusque là honnêtement moi ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. À partir du moment où tout le monde y trouve son compte, je vois pas pourquoi moi ça devrait me poser de problème. On s'en fout de la couleur, on s'en fout de... Moi je m'en fous de tout ça. Tant que les gens sont intègres, moi je m'en fous. Que tu sois jaune, que tu sois bleu, avec des petits pois ou... on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a, Pépère? T'as des puces? Moi je m'en fous de ça. La meilleure fin c'est le réseau du rail. Bravo, bah écoute, 6-4, au rapport dans le je sais pas du tout. Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Alors, je veux juste aller voir un truc. Ah oui, c'est vrai que maintenant on nous appelle Paladin. Ah, stylé sa tenue, elle. Stylax, comme on dit. C'est l'armure de Denz, là? Non. Je ne sais pas trop quoi penser du Scribneria. Je crois qu'elle aime un peu trop sa petite ménagerie. D'accord, donc on peut pas la prendre, mais par contre celle-là, oui. Comment elle déglingue ! Nous sommes fiers de vous. Trop cool. J'adore Canigou, je garde toujours avec moi perso. Bah moi honnêtement si je peux le faire le plus souvent possible avec Canigou. Je donnerai ma vie pour empêcher l'humanité de reproduire les erreurs qui ont conduit à l'apocalypse. Oui, bon, bah ça va, calme-toi. Ok, on viendra chercher l'armure de Dance. On va faire une petite TP. Mais on va aller voir avant, vite fait, ce qui nous attend. On va aller voir ce qui nous attend. Tu seras pas en train de te payer ma gueule, toi, par hasard? Donnez. Parlez au capitaine Lancier Kells. Oui, d'accord. Et il est où Ah merde, il est en bas. Quel con. Hop. Il est là. Ah, Paladin. Parfait. Maintenant que cette fâcheuse histoire avec Ben s'est réglée, nous pouvons revenir à nos préparatifs militaires. Alors, fâcheuse histoire, pas de répit, besoin de temps, que voulez-vous? Quand vous voulez, capitaine. Donc, ah merde. Parce que cette mission demande la plus grande attention. Avant de lancer l'assaut sur l'Institut, nous devons éradiquer une autre menace. Le réseau du rail. C'est un petit groupe très actif qui utilise des tactiques de subterfuge et de guérilla pour harceler ses ennemis.
Notre analyse tactique indique qu'il pourrait gêner nos opérations, voire les mettre en danger. Et il est exclu de courir un tel risque. En les frappant maintenant, nous devrions pouvoir infliger des dégâts optimum à leur organisation. Alors, menace du réseau du rail. Au travail, ça ne vaut pas le coup, ça me plaît. Si vous voulez. Mais pourquoi perdre notre temps avec eux ? Le réseau du rail n'a peut-être pas l'air très menaçant, mais je peux vous assurer qu'il représente un danger potentiel bien réel. Pour anéantir le réseau du rail, il faut totalement éliminer ses chefs, sans quoi ses membres se regrouperont ailleurs. Voici une liste de 5 cibles dont l'élimination devrait permettre d'annihiler radicalement leur commandement. Oh merde ! Pas de prisonniers, j'espérais plus, j'ai raté une occasion, comme si c'était fait. Il faut tous les tuer, j'imagine ? Oui, c'est la seule manière de s'assurer qu'ils ne constituent plus une menace. Avant que vous partiez, le connétable Ingram a de nouvelles tâches à vous confier. Nos sources indiquent que le réseau du rail possède une sorte de prototype de robot à son QG. Il l'appelle la prévision analytique mathématique, ou PAM. Charmant, hein ? Il l'utilise pour effectuer des calculs stratégiques complexes qui sont beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on peut faire ici. Si vous pouviez utiliser cette holobande pour déchiffrer les protocoles de sécurité sur le terminal de la PAM, ça permettrait de la rapatrier sur le Pridwen. Je suis certaine qu'on pourrait faire bon usage de la puissance informatique de cette unité. Sinon, détruisez-la. Il ne faut pas qu'elle tombe aux mains de l'Institut. Je vais essayer de la rapporter ici en un seul morceau. Parfait. Ce serait un sacré gâchis, sinon. Je ne doute pas un instant que vous ferez tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. Dès que vous le pouvez, rendez-vous à Old North Church et prenez contact avec notre équipe d'intervention. Elle vous fournira tout le réseau et la puissance de feu dont vous aurez besoin pour abattre le réseau du rail. Ad Victoriam, paladin. Essayez de ramener Pam ici en un seul morceau, d'accord ? Putain, c'est la merde ! Maintenant, il faut aller défoncer le réseau du rail. Ouais, je sais qu'on peut mettre des aptitudes à Canigou, ouais. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Noël, c'est une région dangereuse. Pensez bien à vous équiper avant de sortir. Oh, je suis dégoûté. Donc le réseau du rail, ce sont évidemment des synthétiques. Et donc là, on a réussi à sauver le paladin Dance d'une mort certaine, parce qu'on a découvert que c'était un synthétique, et que après un discours acharné avec Maxon, on a réussi à lui faire lâcher l'affaire. Et là, on sait que de toute façon, que le CDA veut éradiquer l'Institut. L'Institut, ça me pose pas de problème. Le réseau du rail, maintenant... C'est comme à Charleroi. Donc, va te concher et arrête les bulles. Mais non... Donc là, on est vraiment sur un dilemme. Donc on vient de voir que la mission du rail, qui nous avait été proposée précédemment par les gens, justement, de cette faction-là, a été annulée. Donc, de toute façon, à un moment donné, t'es obligé de rentrer dans la gueule à une des factions. Voilà, c'est obligé. Si on n'avait pas été avec le CDA, qu'on avait été avec le rail, on aurait été obligé d'aller se foutre sur la gueule avec soit l'Institut, soit le CDA... Et vice-versa. Il n'y a qu'une seule des milices qui, apparemment, pour l'instant, ne rentre pas en conflit avec qui que ce soit, c'est les miliciens. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Comment ça va se dérouler tout ça ? Quelles sont les décisions qu'on va prendre ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire des choix, mais on va être obligé de faire des choix à un moment donné, de toute façon. Et ça, vous le savez.
C'est ce qu'on va découvrir dans le prochain live, donc jeudi. C'est ce qu'on découvrira donc jeudi. Quelles sont les décisions qu'on va prendre? Est-ce que on va rentrer en conflit avec le réseau du rail? Est-ce qu'on va choisir cette voie? C'est surtout comment tu veux jouer perso. Bah, moi j'essaye d'être le plus impartial possible. Je veux pas faire de trucs qui vont à l'encontre de ce que je pense. On est quand même le général des miliciens, déjà, à la base. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a pu faire, on a essayé d'être droit dans nos bottes. Voilà. On a essayé d'être droit dans nos bottes. Pas spécialement, si tu vas pas trop loin dans leur quête et que tu finis avec les miliciens, tu ne seras en conflit avec personne. Voilà, donc tu vois, Rio, là-dessus, me rassure un peu sur cette façon de penser que j'ai. Mais on peut voir aussi que si certaines missions ne sont pas faites et qu'on en accepte d'autres, elles sont annulées. Et on voit échec de la mission, machin, proposée par telle faction, etc. etc. Donc voilà, Sagittaire, je ne vois pas encore, je dois voir cela. Mais voilà, en tout cas, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire et à comment on va le faire et quels seront les choix qu'on va devoir faire, parce que là, on arrive... mettre une volée à l'Institut, ça ne me dérange pas. Là, ils sont en train de réparer Liberty Prime, donc ce robot nucléaire qui va littéralement aller les poutrer. Ça ne me dérange pas plus que ça. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, maintenant, de devoir aller assassiner les membres du réseau du rail, pas ouf. Pas ouf. Je termine Alien et je commence Fallout 4. Alien, c'est un très très bon jeu. Un choix simple. Grenade ! Le choix t'appartient. La suite dépendra que de tes choix, nous dit Sagittaire. Et on essaiera. J'ai dit ce que je voulais avec ce personnage qu'on a pris pour cette aventure-là. Je ferai toujours en sorte de respecter une certaine éthique. Si je vois que c'est trop borderline, non. Arrête Fallout 4, ça te pose trop de problèmes. Oh là là, mon Dieu, mais c'était obligé qu'il y a un moment, on est obligé de faire des choix. Hein. On verra bien ce qui va se passer. Et vous le découvrirez évidemment sur le prochain live. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 20h. Je vous remercie pour votre présence, comme à chaque fois. Merci à la modération, merci Galanterie Oblige, à notre petite Nat, mais aussi à Max Blade. On fait un gros bisou à tous les autres modérateurs de la chaîne. Je vous embrasse très fort. Et puis, surtout, le chat incroyable. Merci à vous ce soir. Je vous le rappelle, on a battu le record de viewers. On était 16. J'allais dire 60. Je prends mes rêves pour des réalités. On était 16 ce soir. On a battu ce record. Voilà, en début d'année, c'est plutôt cool. Max Blade, pourquoi pas une mini-bombe nucléaire? Ah bah, Rio, toujours plus. Voilà. Je vous le rappelle, voilà. Grâce à vous toutes et tous, on a réalisé les rêves de ces enfants et adolescents de l'association Petit Prince. Donc un grand merci à vous pour ça. Sans vous, rien n'est possible. Donc un grand merci. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux du GameStream Heroes pour en savoir plus sur la réalisation des rêves si vous êtes curieux. En tout cas, c'était vraiment cool. T'as réussi à suivre ton chat aujourd'hui? Ouais, j'ai réussi, je suis fier de moi. Big up à moi. Ouais, on a réussi. Mais c'est, voilà, vous me régalez à chaque fois. Donc, je vous souhaite évidemment une très très bonne soirée. Et puis, vous la connaissez maintenant cette phrase. N'oubliez pas, c'est que du jeu, amusez-vous bien. On se retrouve jeudi pour un prochain live à 20h. Ciao, c'était Ika. Et bonne nuit.